Salut tout le monde les gars. Yo yo yo. Je démarre à 30 pour une fois les gars. Je laisse le temps. Yo tout le monde les gars, bienvenue, bienvenue. J'espère que ça va vous plaire ce petit live en vrai. Vous allez voir ce qui va se passer. On va essayer de faire un parc, mais de qualité. Ah, j'ai un écho. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, bonjour, comment ça va? Bonjour à toutes les gars, j'espère que ça va tous très bien, que vous êtes chauds pour ce live de qualité, je ne sais pas en fait, on verra bien. Mais on va essayer de faire un truc sympa, on va essayer de vous faire les amis un live sur Planet Coaster. L'épisode de premier vous a beaucoup plu, vraiment. Il y en a plein qui m'ont redemandé sur d'autres chaînes, genre Stravo refait des vidéos comme ça. Du coup, c'est ce qu'on va faire, elle était bonne la bière. Bah écoute, ça va, j'ai dû la boire hyper vite, mais ça va. Salut Samuel, merci pour ton don, merci à toi. Ça fait grave plaisir les gars, bienvenue à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Bah écoutez, on est parti, on va tranquillement jouer sur ce petit Planet Coaster. On va essayer de jouer pendant 1h15, 1h30, parce que j'ai un tournage vers 18h, et après j'ai encore un tournage ce soir, donc on va essayer de se jouer tranquillement, tranquillement les gars. Donc voilà, bonjour à ceux qui viennent d'arriver les gars, bienvenue à tous, installez-vous bien, voilà, et on est parti. Alors, déjà on va peut-être lancer le jeu, ça pourrait être pas mal. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va surtout regarder les commentaires du live dernier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui m'ont dit que il fallait que je regarde les commentaires, parce que j'avais posé des questions, j'avais dit ça va, enfin dites-moi en commentaire si vous préférez qu'on fasse ça pour la prochaine fois, ou ça, enfin des conseils ou quoi. Donc voilà, salut à tous les gars. Wesh Bab, salut Florian, salut Clément. C'était de la Henneken, non même pas en plus. Combien de temps 1h15 à peu près, 1h15 de live. Bonjour, tu peux me mettre modo s'il te plaît? Eh ben non, j'ai déjà assez de modérateurs les gars. Non. Salut Servo, tu vas bien? Ça va, salut Ludo, salut à tous les gars. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Parce que chez moi il fait à peu près beau, mais à ce qui paraît d'ici quelques jours là ça va être la catastrophe partout je crois. Salut Sabiche. Sabiche Nico, nickel. Allez bon du coup on est parti. Ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va lancer le jeu peut-être. Lancer le jeu ça peut être pas mal. Attendez, on va quand même mettre la bonne scène du jeu, ce serait plutôt sympa. Et on est parti sur le grand Planet Coaster. Je juste pause et on est go. Est-ce que vous entendez le bruit derrière moi? c'est mes arbres qui font du bruit, de la lumière, non du bruit. Salut Baptiste, salut Arbu, salut Unity, salut Victor. Ah, je crois que ça va nous péter les oreilles là quand on va lancer le jeu. Mais attends, mais le jeu est lancé en fait. Ah voilà. Regardez-moi cette cinématique de qualité. Regardez-moi ça. Toujours trop marrant. Salut le Marseillais, demain plus peut-être. Ouais, bon, écoutez, on verra bien. Hein. On verra. Le live sera en rediffusion. Bien sûr que oui. Ton micro a changé. Non, c'est le même. Salut Ronico, yo. Bah, vu qu'il n'y a pas le volant, je peux le mettre d'une disposition différente. Parce que quand il y a le volant, je peux pas le mettre comme je veux. Donc voilà, bon, et écoutez, on va rejoindre notre île, les amis, ceux qui ont vu. Alors, bien sûr, ceux qui regardent cette vidéo-là ou la rediffusion, ou le live même, n'hésitez pas à aller voir celui d'avant. Parce que. Mais mon micro n'a pas changé, les gars, mon micro c'est le même. Hein. C'est juste qu'il est différemment posé, c'est tout. Jouer à Winterspark. Ah non, par contre, on va m'envoyer une clé du DLC mode. Du SnowRunner, je crois, un truc comme ça. Donc, je vous ferai peut-être un live mardi ou mercredi prochain. Sur la chaîne secondaire, je pense. Pas la principale, mais la chaîne secondaire, je pense. Donc voilà. Pourquoi il y a la rediffusion de l'autre live. Il y a la rediffusion de l'autre live, les gars. Bien sûr que si. Bon, dans le temps que mon. Ah, regardez-moi ça. On est où, là? Attendez, c'est pas chez moi, ça? Attends, mais on est où, là? Il se passe quoi? Mais c'est pas mon parc, ça? L'île paradisiaque de. Attends, mais on est où, là? C'est pas mon parc du tout. Par contre, il est stylé, hein. Oh, mais attendez, c'est quoi ce parc de bâtard? Excusez-moi du mot, les gars, mais. Wow! Attends, on faut prendre des idées. Mais attends, mais c'est beaucoup trop stylé, mais c'est pas mon parc. Oh là là, c'est magnifique. Genre, tu dois traverser de l'eau pour. Oh, mais c'est beaucoup trop stylé. Ok, bon, on va quand même rejoindre notre parc, parce qu'on n'est pas dans le bon parc. Comment on change de parc? Excusez-moi, aidez-moi. Il n'y a pas à charger un parc? Voilà, charger le parc, Sterland. Ah, voilà. Ah, c'est peut-être ma soeur qui a joué. 17, c'est aujourd'hui 17. C'est peut-être ma soeur qui a commencé une partie. Bon, charger le parc. Oui, on est parti. On démarre le magnifique parc, les amis. Le Sterland, bien évidemment. Salut le paysan, salut Audrey, salut le farmer, salut Charlène, salut André. Donc voilà, coucou Stavo, ça bug. Alors commencez pas, parce que non, ça ne bug pas les gars. Déjà de base, merci du coup Samuel pour ton don, ça fait plaisir pour tes 99$ canadiens. Enfin, centimes de dollars canadiens. Alors regardez-moi ce parc, c'est un parc de qualité les amis, c'est un parc de qualité celui-là. Non, en vrai, il va falloir qu'on améliore des choses. Mais juste avant, on va directement regarder vos commentaires, parce que j'ai envie de voir vos commentaires de la vidéo pour voir si vous avez kiffé ou pas. Donc voilà, mon live c'est là, le live est ici, est en rediffusion. On va juste baisser un tout petit peu la musique parce que. Détends-toi s'il te plaît. Voilà. Donc 22 000 vues la rediffusion, 22 000 vues. Ah, magnifique, on est dans les pubs.
Oh, comme toi. 22 000 vues, 2600 likes, merci à vous. Bon, 66 dislikes parce que forcément les gens n'aiment pas quand ce n'est pas du farming. Bon, c'est comme ça. Alors, fais un grand 8 parce qu'il y a tellement de monde qu'on n'a pas assez d'attractions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde au même endroit. Un grand 8. Ok, les gars, vous notez. On va faire un grand 8. Vous notez ça. Arnaud, je like ton commentaire. Il y aura un grand 8. Faut qu'on fasse ça. Vu qu'il y a beaucoup de monde dans ton parc, tu devrais augmenter le prix des tickets. Comme ça, tu gagnerais plus d'argent. Et aussi, je pense que les visiteurs aiment bien les grandes attractions. Voilà, c'est tout. Ça serait vraiment cool que tu continues cette série. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, je like ton commentaire. Continue le jeu. Tu es le meilleur. Alors, du coup, on commence avec la grande roue. Faut qu'on mette un truc genre une grosse attraction ou un grand 8 ou un gros truc à la sensation. Ensuite, hôtel-restaurant, il faut qu'on en mette parce qu'on a mis des restos, enfin des petits trucs, mais je sais pas, on a mis des petits trucs genre ça, tu vois. Genre des trucs comme ça, c'est juste pour. Tu vas faire un petit truc, mais il n'y a pas de resto. On avait fait une zone du coup, ici, c'est pas si vous avez vu, on avait fait une zone là, c'est pour essayer d'aller boire un coup. Bon, elle est pas encore terminée. Il y a en plus, on va mettre pause, mais il y a déjà des gens qui viennent bouffer et tout, les gars, mais c'est ouf, hein. Le monde qu'il y a, il y a 450 personnes dans mon parc. Je suis content les gars. Voilà, et là du coup la grosse attraction qu'on a faite, qui du coup a démarré, je sais pas s'il y a beaucoup de monde d'ailleurs. 6%, je vais faire un tour, la vache ça coûte hyper cher, genre il est cher. 14€ le billet. Ah ouais, attendez, doucement, on va baisser. Hein. On le descend à 11, 11€ le billet, allez pour changer. 14€ ça fait, mais t'imagines 14€ pour faire un truc pour vomir en plus, même pas, mais 10 même. Non, quand même pas, attends, 10, on va mettre 10€ le billet les gars, parce que, ah c'est beaucoup, non pas 1000. 10€ le billet, ça fera l'affaire. Ok, bah même si on perd un peu d'argent, c'est pas très grave. On va mettre 10€ l'attraction, mais l'entrée, on va peut-être l'augmenter un tout petit peu. Parce que l'entrée, on l'avait pas mis beaucoup cher, on l'avait mis à combien l'entrée? 5€ et 3€. On va mettre, allez, 6€ et 4€ pour les enfants. Voilà, ça devrait le faire. Chiffre d'affaires, on a fait 2000€. Et actuellement, alors du coup, on va regarder un petit peu tout ce qui se passe dans le parc, si tout va bien, les gars. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à tous. Alors, mon parc. Pour commencer, je fais le parc en mode illimité, donc sans d'argent, enfin, je fais en gros partie de cheaté, c'est juste pour apprendre à faire le parc. Si jamais plus tard, je ferai peut-être le mode défi ou alors un autre mode avec de l'argent et avec des défis, parce que ça sera plus stylé. Mais là, c'est pour un peu apprendre le jeu, donc peut-être qu'on va faire genre 3, 4, 5, 6 lives comme ça, et après, on pourra refaire un truc avec le mode défi, avec un défi. Enfin, tout dépend, on sait pas, ça se trouve, on ne fera pas ça. Alors, mon parc, comment ça se passe? Gestion du parc. Alors, gestion du parc, les amis, finance. Bon, on s'en fout, vue d'ensemble. Oula, les employés, satisfaction 67%. Ah, Borom, bonjour Borom, n'hésite pas à me dire. C'est quoi ça? Ah, parce qu'ils n'ont pas assez de travail. Hein, tu penses que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de travail? Je pense que c'est à cause de ça. Attends, mais et lui, charge de travail élevée. C'est un vendeur. Il n'y a pas assez de vendeurs, je crois que ça veut dire. Mm-hmm. Lui, c'est quoi? Lui, c'est un normal. Lui, c'est quoi lui? Il se promène. Mais c'est pourquoi lui, il se promène et lui, il travaille comme un fou. Mais aidez-vous. Enfin, je sais pas. Libre, ok. Ah, mais ils sont libres. En fait, ils font rien, en fait. Bon, je comprends pas. Bon, écoutez. Nickel, mes visiteurs sont... Il y a des adultes, il y a des adolescents, ok. Bon, pour l'instant, c'est nickel. Ok, non, alors, il faut regarder les attractions qui nous rapportent de la thune. Le Charoplane, c'est celui qui rapporte plus de thunes, les gars. Ah ouais, les gars, bénéfice 595. Pourquoi le Looper, il fonctionne pas? Il est ouvert au public, pourtant, le Looper. Attendez, le Looper, c'est bien lui. Looper. Bah, il est ouvert, pourtant. Bah, ça va arriver, je pense, il faut un peu le temps. Et ok, donc c'est lui qui nous a fait plus de thunes. Ok, lui c'est celui qui nous rapporte plus de thunes en vrai. Mais attends, vous avez vu la file d'attente? Mais la file d'attente est énorme les gars. Bon, ça veut dire qu'il va falloir qu'on crée de nouvelles attractions les gars, je compte sur vous. Bah voilà en vrai, est-ce qu'on peut voir les messages des gens? Voleur coupable de deux crimes a été appréhendé. Quoi? Le maximum a été fait pour rendre l'argent aux victimes. Oh là là. Faut mettre des flics. Oh, attends. Les gars, ça va pas là. Ça va pas du tout. Gestion du parc. Employé, il n'y a pas des flics. Je veux trouver des flics. Comment on fait pour... Gestion de la sécurité. Vandalisme. Victime de pickpocket depuis le début. 5. Oh, attends, faut mettre des caméras. Et il faut prendre des employés. Attends, comment on fait là? Ah voilà, c'est ça. Agent de sécurité. C'est quoi ça? Animateur. Oh, faut mettre des animateurs, les gars. Ok, donc là... Oui, je sais, je suis en pause. On va mettre des policiers comme jamais, les gars. Parce que... Ah, attendez, pickpocket. Oh. Ah ouais, mais les gars, c'est qu'après, mon parc, il va avoir une réputation de merde. Allez, je mets 3 policiers, enfin, 3 agents de sécurité. Et je vais mettre en plus des animateurs. Amélie. Vas-y, Amélie, bah, voilà. On va la mettre dans le parc. Après, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de routes dans le parc. Hein. Genre, je veux dire, c'est... T'as une file d'attente, t'as un petit chemin. Voilà, bon, j'ai mis quelques petits trucs, les amis. Mais là, il y a beaucoup de monde dans le parc. Il va falloir que vraiment on améliore et qu'on fasse beaucoup de choses. Non, ton micro, tout à fait, il n'y a pas changé par... Nana. Oula. Non, mon micro, je suis un peu près du micro, mais logiquement, le compresseur n'a marché comme jamais. Bon, alors, bah, les amis, on est parti sur de grosses attractions. Bah, on va mettre pause, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme grosse attraction, les gars? Montagne russe. Bah, on part sur un truc énorme, en vrai.
Mais ça, c'est 13 000 euros. En vrai, là, il faut se dire que là, on est en illimité. Donc, ça va. Dis-moi bonjour. Salut, Thaïs. Enfin, Bernard. Qu'est-ce qu'on prend en attraction? C'est gros. Ah oui, c'est un truc énorme, les gars. Oh, what? C'est énorme. C'est quoi? Faut trouver un truc gros. Oh, mais c'est énorme. Ah ouais, mais les gars, mais je suis pas habitué. Attends, mais doucement. Pas de truc trop gros non plus, quoi. C'est quoi, ça? Non, mais non. Ah, ok, on peut créer son truc nous-mêmes. Mais non, moi, je vais pas tout. Enfin, moi, je veux faire mon truc déjà tout fait. Waouh, qu'est-ce qu'on prend, les gars? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on prend. Faut prendre un truc gros, mais pas trop, tu vois. Nausée, enthousiasme. Attends, on va trier par enthousiasme. Par peur. Comme ça, les gens, s'ils ont peur, ils vont pas le faire. Bah non, justement. Oh, lui, c'est le meilleur, en vrai. Ah, mais lui, il est énorme. Les gars, vous pensez qu'on faut prendre un... Ouais, je vais mettre une caméra de sécurité. Oh, bah lui, il peut être sympa. C'est énorme. Oh là là, c'est ouf, c'est beaucoup trop gros. Oh, bah lui, ça va. Oh, lui, il est pas si gros que ça. Pourquoi c'est rouge? Je peux pas le placer? Oh. Attendez. Où est l'entrée, en plus? Je pense qu'on rentre par ce côté. Attendez, on va plutôt le retourner. Dans l'autre sens, non, les gars? Non, vous pensez pas dans l'autre sens, ce serait mieux? Comme ça. Ou alors non, justement, un truc qui est collé comme ça. Comme ça, tu sors. Et... Ah ouais, comme ça. Moi, je dirais comme ça. Comme... Ah ouais, ça va bien, regardez. Comme ça, et en plus, ça fait sur l'autre côté aussi. Moi, lui, il me va bien. Comme ça, ouais. Comme ça, les gens d'à côté, ils voient l'attraction. Voilà, les amis, on a passé notre attraction. Bah, du coup, on va mettre l'entrée. Alors, l'entrée... Ah, mais c'est un petit peu en hauteur. Donc... Ah ouais, on va faire des escaliers et tout. Trop bien. Placer la sortie. Bah, la sortie à côté, en fait. Hein. Ouais, la sortie à côté. Et relier l'entrée. Alors par contre là, eh bien oui, on va relier. Ah ouais, comme ça les gens ils sortent d'ici et directement ils vont dans l'attraction. Est-ce que c'est pas une bonne idée ça les gars? Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver les gars. Bienvenue à vous les gars. Alors s'il vous plaît, ne vous appelez pas Starvé et ne volez pas mon logo si c'est possible. Alors, bah, de toute façon au coup, hein. Hop. Comment on baisse vers le bas? Borom, est-ce que tu sais comment on fait un escalier qui descend? Sinon, attendez, on va faire un truc du genre comme ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, donc on va faire une grosse file d'attente qui tourne. Comme ça. Là, les gens, ils passent à côté, du coup, ils sont en mode « Waouh, trop stylé !» Tac. Et après, tac. Et ah, bah voilà, bah nickel, regardez-moi. Mais voilà, mais c'est parfait, c'est ce que je voulais faire. Avant de ça vole, est-ce qu'on... Non, comment on fait? C'est pas hyper réaliste que ça vole. Bon, bah écoutez, si ça vole, ça vole. Maintenant, on met la sortie. Donc la sortie, on va relier... Il n'y a pas une couleur un peu qui ressemble? Ah non, c'est moche ça. Non, ma route, mon allée. Salut Borom, yo les gars. Attends, clic gauche pour enfoncer, puis vers le bas. Bon, donc, du coup, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai... C'est bon. T'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on met en allée qui pourrait ressembler à l'allée qu'on a actuellement là? Parce que là, c'est une file d'attente, mais au pire, on peut faire une allée qui ressemble à une file d'attente, non? Ce c'est que ça. Il y a une piscine, bordel. Bah non, et puis on va laisser comme ça. Alors, du coup, tu m'as dit... attends, tu m'as dit clic droit enfoncé. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Hop, là, vous descendez. Escalier ou pas? Ouais, petit escalier, ça fait stylé, escalier. Tac. Et là, c'est bon, regardez-moi ça. Ok, donc du coup, l'attraction y est pour l'instant. Donc, t'as l'entrée avec la file d'attente qui va falloir décorer aussi. Je pense qu'on peut commencer à tester l'attraction, les gars, non? Prix du billet. Là, les gars, faut qu'on... Le flouze, va falloir que le flouze monte. Attends, il y a quoi comme truc alors? Ok, enthousiasme. Bah, du coup, on verra avec le test comment ça fera l'enthousiasme et tout. Oh, couleur des rails. Ah, ouais, on peut changer la couleur des rails et tout. Ah, ouais, attendez. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? C'est quoi ça? Ça change pas en fait. Oh, c'est. Bon, on va laisser comme c'est. Couleur des wagonnets. Ah, ouais, des wagonnets. On met des wagonnets bleus, non? Il n'y a pas. Noir. Oh, ah, ouais. Ouais, allez, comme ça. Ou bleu. Oh, non, c'est dégueulasse. On va laisser comme c'est au pire, ça ira très bien. Bon, ok, on laisse comme c'est, puis on s'en fout. Voilà. Voilà en fait, c'est bon. Là, on s'en fout. Zone de freinage, nombre de wagonnets 4. Bah, beaucoup plus en fait. Oh, on peut pas. Ah, on peut pas. Créer une chaîne. Bon, ben voilà, bref. On le met en test, les amis. Comme ça pourra commencer. Il faudra que je mette play. Mais juste avant, il faut qu'on décore, les amis. Je peux faire un tour de manège. Oui, vous pouvez faire un tour de manège, les gars. Déplace les compteurs. Ah, ah mince, vous voyez pas. Ah oui, les compteurs, effectivement. Attendez. On va régler tout ça, il suffit de demander à Stervio. Le sub goal, on va le laisser. Donation, non, c'est pas là. C'est où les compteurs? Compteurs, magnifique. On le met où les gars, les compteurs? Où c'est que ça se met? Oh non, attendez, j'ai mon... Oh non, attendez, j'ai mon truc qui fait pas partie du groupe. Deux secondes, les gars, tout va bien se passer. Compteur Insta, viewer, chaîne principale, chaîne secondaire, c'est où ça? Ah, c'est là, la chaîne secondaire.
Attendez deux secondes, faut que je règle ça parce qu'il y a des trucs à régler. Voilà, on est bon ou pas là? On est bon. On le met où du coup? Vous savez qu'on peut le mettre que ça gêne pas. Là, ça va être moche. Ah, on le met où? J'ai pas envie d'enlever en fait, donc on va le laisser. Bon, on va le mettre là au pire. C'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, les amis, on va attaquer à droite. Ton entrée est dans la sortie de l'autre attraction. Ouais, je sais. Bah, c'est le but en fait. Les gens sortent et hop, ils vont directement dans l'autre. Et puis même en vrai, ils peuvent rejoindre. On va rajouter une route d'ailleurs ici. Une route qui fait ça. Tac, tac. Comme ça, les gens peuvent aussi directement y aller. Et là, du coup, on peut faire une petite zone bien sympa. Voilà. Il faut qu'on pense aux caméras, les gars. Attends, on va placer des caméras dans le truc parce que malheureusement, il y a des vols et j'ai pas envie que j'ai une mauvaise. Bah, faut que ce soit le mieux possible. Donc, c'est dans quoi? Boutique et service, je pense. Sécurité, c'est où sécurité? Gestion des employés. D'ailleurs, il faudra peut-être un autre bâtiment, non? Borom, est-ce qu'il faut d'autres bâtiments pour les employés? Premier secours. Ah, mais là aussi, premier secours, il faut des choses de premier secours, hein, personnalisées. Enfin, un bâtiment qui donne envie, quoi. Ce truc. WC. Ouah, c'est quoi ces WC? Ah non, 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 c'est pas si moche que ça. Est-ce qu'on mettrait pas des WC là, à côté, ici, là? Vu qu'il n'y a pas grand chose, des petits WC. Ou plutôt vers le fond, non? Les WC, on les met où, les gars? Ou alors, est-ce qu'on met à côté. Non, c'est pas à côté, ça fait dégueulasse. Où c'est qu'on va mettre d'autres WC? Guichet. À quoi ça sert les guichets? C'est pareil, à quoi ça sert les guichets? Je sais pas à quoi ça sert. Hein. Guichet. Vous savez ce que c'est? Borom, c'est quoi les guichets? Dis-moi dans le commentaire, dans le chat, s'il te plaît. Dis-moi ce que c'est, parce que je sais pas ce que c'est. Ou même ceux qui savent. Hein. Du coup, je voulais. Ah oui, hôtel, premier secours, gestion des employés, petite attraction, restaurant, autre. C'est quoi autre? Point de divertissement, point de vue panoramique. Le parc de Borom est plus beau. ouais. Du coup, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Hôtel. Bah, hôtel, ça ressemble à quoi des hôtels? Ah, mais c'est énorme les hôtels! Ah ouais. C'est énorme, mais ça passe. Ouais, mais là, c'est un truc du western, c'est dégueulasse. Non, en vrai, il est scié ton parc. Bah, les gars, je suis nul à. Ouah, mais mec, vous êtes sérieux? Vous voulez qu'on mette ça? Oh, vous êtes des fous, les gars. Un hôtel comme ça? Ah ouais, mais vous êtes vénère. Pour les billets. Ah, c'est pour les billets? Mais à quoi ça sert, les billets? Ah, que les gens achètent des billets. Oh, puis attendez, on va faire un truc. Attendez, hein, on va tester un truc. On va changer de route. Une petite allée comme ça. Tac, 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 tac. Et là, ça rejoint. Et du coup, on va. Je sais pas si c'est bien ce que je fais, vous me direz en commentaire. Et là, du coup, on met un guichet. C'est où les guichets, merde? Guichet. Guichet, est-ce qu'il y a des bâtiments de guichet? Non. Donc, c'est ça. Je mets un guichet là, du coup. Ah, on peut pas. Bah, c'est quoi ce truc débile là? Attendez, mais en fait, à quoi ça sert les guichets? Vraiment? Ça permet d'aller où en fait? T'achètes quelqu'un? T'achètes quelque chose ou quoi? Oh. Oh. Je découvre des choses. Attendez, la route va dégager en fait. Je découvre des choses. On peut trouver. Attends, comment on fait pour voir le parc de Borom? Tu peux pas. Oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Non, vends-toi s'il te plaît. Comment on vend? Je veux vendre ma route. Allez, merci. Vends-toi, 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 vends-toi. Vends-toi. Du coup, je mets le guichet en plein milieu. Mais c'est con d'avoir un guichet en plein milieu, non? Pense aux handicapés. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on fasse des trucs pour les handicapés. Donc là. Non, plutôt guichet dans ce sens-là. Donc les gens, bam, il y a le guichet. Et après, ça part en full route, c'est ça? Attends, étiquette, environnement, entrée de parc. Bah on a déjà une entrée, restaurant. Bah, du coup, ça part en route. Hein. Ça part en petit chemin. Ah non, on peut pas. Mais pourquoi on peut pas? Attends, mais je sais vraiment pas à quoi ça. Je sais pas du tout à quoi ça sert les guichets en fait. Hein. Commande des allées. Il n'y a pas une aide? Aide? Non. Ouais, c'est bien comme ça. Le guichet, c'est à l'entrée du parc. Ah. Ah bon? Moi, je le vends en rouge. Ah, c'est le monsieur en fait. Ah, c'est pour créer l'attraction. C'est pour les entrées des attractions. Ah, mais il y a déjà des guichets de base en fait. C'est pas un guichet déjà qu'il y a là? Ah non, c'est une entrée en fait. Ça, c'est pas un guichet? En gros, c'est à côté. En gros, le guichet, c'est avec une file d'attente, si je me trompe pas. Du coup, si c'est bien ce que j'ai compris. Ok, oui, guichet, c'est au début du parc. Bon, au pire, ça va vite dégager. Pourquoi je peux pas cliquer? Ah là, vends-toi. Bon, bah, pas de route. Du coup, attends, on va faire une petite allée quand même, parce que bon, mine de rien, on n'est pas là pour niaiser. On va faire une petite allée, on verra ce qu'on met, hein. Mais c'est juste manière. Oh non, j'aurais dû faire un truc qui rejoint. Oh non. Attendez, on va faire un truc droit quand même. On va pas faire un truc dégueu. Tac. Là, on est bien au milieu. Comment on fait vraiment des routes droites? Parce que vraiment, je fais à l'œil, quoi, mais c'est pas hyper droit, quoi.
Ouais, alors les caméras, c'est où qu'on trouve ça déjà? File d'attente. Ah, d'accord, les files d'attente, c'est là. Et là, c'est les allées naturelles. Oh, on aurait pu faire une allée naturelle. Bon, je disais du coup, c'est dans les boutiques services qu'il y a la sécurité ou pas? Tous. Plan. Alors, aucun objet. Très bien. Ok, alors attendez, c'est où les caméras? C'est pas là, c'est dans environnement? Bâtiment. Non, pas un bâtiment. Oh, mais c'est quoi ces bâtiments, mec? Il y a des centres-villes, tu peux vraiment créer une ville dans ce jeu, quoi. Alors que c'est un but. Le but, c'est un truc d'attraction. Mets un agent de sécurité à ton parc. T'inquiète, j'en ai mis 2-3 déjà, agent de sécurité. Donc on est bon. Faut le guichet après des files d'attente. Ok, ok, ok. Bah attends, on verra ça du coup pour la grosse attraction au pire. Je voulais les caméras. Ah, c'est pas une caméra ça? Applique lumineuse. Non, c'est où les caméras? Les caméras, ça doit être dans. Alors, allez, décor, nature, effets spéciaux, séquence, écran. Formatité. Attends, c'est quoi? Écran. Écran de projection, sexe. What? Ça ressemble à quoi ce truc? What? Mais c'est un truc au sol. Attendez, c'est quoi ce truc? Choisissez un plan d'éléments de décoration. Attends, mais c'est vraiment un écran qui s'éclaire? Mais non. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est quoi les gars en fait ça? Panneau d'affichage, image. Oh, on peut importer nos trucs? Dis-moi qu'on peut faire ça. T'imagines, tu peux importer ton image, modifier les haut-parleurs. Image vidéo. Oh! Mais c'est trop stylé! Enfin, ça, ouais, c'est stylé à moitié. Mais c'est trop. En vrai, c'est stylé par contre. Oh. On peut pas importer nos vidéos? Vraiment, ça serait trop bien. Vidéo utilisateur. Comment on en rajoute? S'il vous plaît, je vais mettre des vidéos en fait. Dites-moi dans le chat comment on fait. Ben oui, tu peux. Fais une partie non cheatée. Attends, pour l'instant, on fait cheater parce que bon, faut qu'on apprenne à jouer, mais après, on fera 100. Comment on fait pour mettre sa vidéo? Bon, au pire, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Moi, j'ai testé. Non, je veux voir les caméras. Vraiment, c'est où les caméras? Bâtiment. C'est pas dans le bâtiment, les caméras. Au pire, attends. Tu vas dans boutique et service et tu marques caméra, je pense. Camé. Non, il n'y a pas. Dans quoi ça peut être, les caméras? Environnement? Ça fait partie de l'environnement, les caméras? Caméra. Non, c'est dans tous. Borom, dis-moi. Environnement. Nickel, caméra. Camé. Hein. Il n'y a pas caméra? Mec, il n'y a pas caméra. Attends, c'est quoi tout ça? Mais c'est quoi tout ça? Feu d'artifice. Mais quand, les gars, il va y avoir des feux d'artifice comme jamais, je pense. Ah, c'est là. Ok. Caméra de sécurité et caméra de sécurité murale. Ok. On peut en mettre une au bord, non? Alors, attendez. On va mettre des grosses. Non, on va mettre des grosses, en fait. Hein. Genre, on met ça là. Ah, oh, là, regardez-moi ça. Là, c'est sécurisé. On met ça, genre, là, qui voit un peu tout, non? Une qui regarde un petit peu tout. Tac. Une ici. Comme ça, elle regarde tout ça. Et après, peut-être une deuxième par là. En fait, elle tourne un peu. Genre un truc comme ça, tu vois. Genre là, une petite caméra. Paf. Et après, une troisième. Là, qui regarde s'il n'y a pas des pickpockets. Je sais pas. Ouais, une troisième là, pas trop non plus. Voilà. Mon écran s'est éteint. Yes. Ça arrive que quand je suis en live, c'est pas possible ça. Lampadaire. On va éclairer la zone, hein, parce que c'est vrai que la zone n'est pas éclairée. Des petits lampadaires. Au milieu, ça va ou pas au milieu? Ou en vrai, c'est pas gênant au milieu, non? Enfin, je sais pas. J'aurais dit un petit lampadaire le long du chemin. Le long du chemin, des lampadaires, les amis. Oh là là. Parce que la nuit, le parc, il faut qu'il soit vivant. Donc, ça part en full lampadaire ici. Deuxième lampadaire ici. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Là, on est bon. Un là ou pas? Ou un là? Allez. Là, plutôt. Alors, là. Un autre qui éclaire là. Et après, est-ce qu'on en met le long? Ou alors peut-être qu'on change de lumière pour ces lumières-là. Dans les décors, nature, effets spéciaux. C'est où éclairage déjà? Éclairage, c'est où? C'est dans les boutiques services, dans bâtiments. C'est où les éclairages? Enlève pause. Non, mais non, si j'enlève pause, les gars, faut qu'on fasse notre truc et après on met lecture pour qu'après on voit si ça plaît. Arbre. Des arbres, il faut qu'on mette des arbres. Attends, déjà, on cherche l'éclairage déjà. C'est où ça l'éclairage? Décor. Éclairage, nickel, c'est là. Y a que ça? Ah non, parce que. Ah voilà, parce qu'il y a ça. Ah ben voilà, bah voilà. Qu'est-ce qu'on a en éclairage? Bande lumineuse en fibre de verre. Ouais, faut une détente-toi quand même. Lampadaire. Bah non, faut pas qu'on change de lampadaire. Des petits, moi, juste des petits, tu vois, genre. Oh, devant les chiottes, tu fous des lampadaires. C'est pas des chiottes en plus. Ah non, c'est pas des chiottes, c'est un truc pour manger. Ouais, donc attends, un truc léger alors. Lampadaire. Là, faut trouver un truc léger, genre, tu sais, qu'il y a pour dans les. Genre au McDo, des petits piquets là. Les petits piquets pour faire de la lumière. C'est quoi ça? Non, c'est pas du tout petit piqué ça.
Genre, on a... Non, mais les lumières qu'on a mis là-bas, c'est quoi ça? Ça, là, ces lumières-là. Oh, on fait dupliquer, non? Dupliquer. Voilà, comme ça, on fait ça et on les met là. Voilà. Genre, moi, j'aurais dit en mettre... Ah ouais, mais du coup, comment on en met? On en met le long, là? Comment on fait? Mettez des pouces. Ouais, n'hésitez pas à mettre des pouces. Ouais, on va mettre lecture, les gars, on va mettre lecture. Mais je veux juste... ma zone, là. Qu'est-ce qu'on fait de cette zone? Merci pour vos pouces bleus, en tout cas. On va arriver aux 1000 gemmes, waouh. Bon, bah, écoutez... bon, je vous... Si, le long, hein. Moi, j'aurais dit le long. Vas-y, on en met 3. Tac. Tac. Et là, c'est pareil. 1, 2, 3. Et... un là et un là. Voilà. Bon, pour commencer, c'est bon. Ça, après, on changera. Voilà pour ça. Juste, du coup, là, avant de mettre lecture, faut qu'on juste qu'on fasse mini décoration, qu'on teste l'attraction aussi. Faut qu'on décore de malade. Vraiment, faut qu'on décore de fou. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. Oh, les gars. Attention, attends, vraiment. Borom, c'est toi qui vas me dire. Non, si je mets lecture, ben attendez. Si on perd pas d'argent, on est à combien d'argent là actuellement? Oh, les visiteurs sont contents. On est à 500, on gagne de l'argent, on gagne de l'argent, donc on peut laisser lecture. Celle-là, on la fout en test, c'est bon, elle est en test, nickel. Oh, attendez, caméra. What? Oh, oh. Oh, c'est stylé. Ah, c'est stylé, mais après, il faut qu'on... Là, c'est l'attraction, il n'y a rien, quoi. Il faut des décors, parce qu'il n'y a rien en dessous, c'est nul. Oh, ouais. Oh, c'est propre, hein. Vous imaginez ça? Oh, c'est trop stylé. C'est propre. Oh là là, les gars, en vrai, les... Oh, ça passe près, là. Oh, ça passe près. Oh, les gens ils vont kiffer. Les gens vont kiffer le parc. Les gens vont kiffer ce parc, ça va être fou. Et là t'arrives. Tac 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 tac. Oh là là. Ben voilà, ça a été testé. On va pouvoir l'ouvrir au public. Mais juste avant, ça part en décoration. Donc là, Borom, j'ai une idée de fou. On va faire un trou et on va faire toute la zone là, ça va être de l'eau. Et les gens vont être au-dessus de l'eau pendant. J'ai une idée. Oh là là mon gars. Donc on fait ça comme descente, pas trop non plus. Aplanage jusqu'à la surface. C'est bon comme ça? Non. Je veux en fait que tout soit à la même hauteur dessous, tu vois. Sinon, on fait à la main. Lisser. Ah ben voilà. Non. C'est quoi? C'est CTRL W? Oui, c'est ça. Raboter. C'est quoi raboter? On va tester. Raboter. Je rabote. Oula. Je rabote trop là, non? Ouais, je rabote beaucoup trop. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est ça raboter. Oh, propre. Bon, attends, on va faire à la main. On va faire à la main. Remets-toi droit. Et là, on va faire tout à la main. Intensité, pas trop. On va faire comme ça. Après, on arrangera nous-mêmes. Hein. Oh, tu mets de l'eau là. Pour moi, il faudra des barrières parce qu'il y aura bien des gosses qui vont tomber dans le vide. Ça va être bien ça. Tac, tac, tac. Oh, oh, les gars, il y aura de l'eau partout. Il y aura de l'eau partout. Ça va être stylé. Ça va être stylé. Je le sens. Vraiment, je le sens. Par contre, j'aimerais même pouvoir avoir la même hauteur tout le temps. Il bouge, Starview. Je bouge? Comment ça, je bouge? Tac, tac, tac. Ça va être propre, ça va être propre. Là, ça fait du bruit, il y a attraction qui fait du bruit, ça rapporte de la thune, ça vient. Tac, 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 tac. Il y a un mec qui y va. Ah, c'est la sécurité, ok, nickel. Là, on est bon, aplanir, raboter. Non, pas raboter du coup, lisser. Ouais, on va lisser un petit peu le bord. Mais j'ai pas fait. Attends, mais c'est pas fou en fait ce que j'ai fait là. C'est pas fou. J'ai essayé de faire un truc, mais c'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de trou en fait. Attends, il faut qu'on fasse masse trou là, parce qu'il y a de l'eau logiquement. Donc il va falloir qu'on fasse un gros trou pour qu'il y ait de l'eau dans le lac quoi. Là, 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 là. Et là pareil, il faut que les gens ici ils soient au-dessus de l'eau. Comme ça. Mets des arbres, t'inquiète, pour l'instant on teste le truc. Je sens, mais franchement je le sens bien. J'ai déjà vu plein de vidéos de gars qui étaient chauds sur le jeu. Et j'étais en mode, alors moi j'ai ce niveau là vraiment. Je suis vraiment une merde comme ça. Mais là ça peut le faire. Bon, là on a fait un trou, on va juste mettre bah, de l'eau en fait. Au calme, au agité, au stagnante, au sale. Tu fous de l'eau sale. Le mec il a pas intérêt à tomber. Non, au agité ça donne quoi au agité? Elle bouge quoi. Au calme. C'est quoi la différence entre au agité et au calme? Ah ça donne quoi là? On met quoi du coup comme eau les gars? Soit on met de l'eau comme ça. Soit on met de l'eau qui bouge un peu. Soit on met de l'eau stagnante mais du coup elle a un petit peu couleur merde. On va se le dire. Je sais pas. Fais une piscine. Bah en vrai là j'avais mis cette décoration. Et il y a plein en fait d'objets que tu peux mettre dans l'eau pour bah, animer et que les gens soient contents toi. Agité je préfère. Ah ouais agité. Ok ça part en agité. Oh mon père qui arrive. À fond avec le Kubota. Ok au agité on va juste mettre de la texture pierre. Bah du sable non. Full sable. Moi j'aurais dit du full sable non. Ouais j'aurais dit full sable. Hop on met du sable, on met du sable, on met du sable.
pour changer un peu la texture, vous êtes de la zone quoi. On va, là ça va être l'univers un petit peu pas marécageux, mais vous avez compris. Mec, il me tarde tellement de... franchement les gars, on testera agité, vous dites. C'est ce que j'ai mis du coup agité. OK. Ouais, c'est ce que j'ai mis agité. Ça donne quoi là? Ça va encore. Bon, on a mis ça pour l'instant. C'est pas le meilleur, hein. On essaiera de faire quoi, voir. C'est comme ça pour l'instant. On peut mettre genre plus haut l'eau ou non, il n'y a pas mieux. L'eau, on laisse comme ça. Mais c'est pas assez profond. Hein. Voilà, là c'est... Oh ouais mon gars. Oh ouais, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait faire un truc vachement plus profond. Les gens vont flipper leur race. Ils vont avoir peur déjà de traverser la zone, mais en plus ils vont avoir peur de faire l'attraction. Et ça, pour la réputation du parc, ça va être nickel. Comme ça, ils vont faire... merci. Ça va être nickel en vrai. Oh là 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 là, je suis content. Voilà, bon, on a fait ça. Là, il faut qu'on mette des objets marécageux, vous avez compris. Petits objets marécageux du style environnement. Mets des jets d'eau dans. Ah ouais, des jets d'eau, mais oui, carrément. Trop de trucs à faire, attendez. Extra, non, nature. Mais nature. Bien sûr, nature, on met la nature. Il n'y a pas des arbres qui sont dans l'eau, ou alors des sortes. Pas des algues, mais. Oh, je mets ça. Oh, tac. Après, c'est pas un lac non plus, mais voilà, vous avez compris. Glaïeul. Ça va où les glaïeuls? Dans l'eau, ça va? Il n'y a pas des trucs qui vont dans l'eau? Pensez. Salut tout le monde. Yo les gars, bienvenue à tous. Bienvenue aux 1200 personnes. J'espère que ça va. Des gros caillasses. On fout des cailloux dans l'eau? C'est peut-être un peu gros comme caillou, non? C'est peut-être gros. Ouais, c'est peut-être pas des cailloux dans l'eau non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Des pétunias? Non, on s'en fout, c'est pas là. Effets spéciaux, séquence. Non. La sortie est pas bien placée. Bah pourquoi elle est pas bien placée? Si? Tu sors là, hop, et tu ressors et c'est parti. Barrière. Des barrières, vous voulez vraiment qu'on mette des barrières? C'est vrai que ça peut être bien. C'est dans quoi? Environnement? Les barrières? Dans tout. Mets un lampadaire entre chaque table. Mais il y avait des effets d'eau là, le truc qui jetait de l'eau. Tu me dis quoi? Barrière. Il y en a des barrières? Oui. Barrière 4 mètres. Ouais, mais là, faut un truc pour pas que les gosses ils sautent, parce que je sens bien qu'il y avait des gogoles qui vont faire. Ah, il y a de l'eau, plouf. Ça fait moche ça. On se croirait dans farming. Ça fait barrière de farming ça, non? Ouais. Barrière métallique, ça fait glock. Ça fait glock, mais ça fait vraiment. Ça fait parc quoi. Mais ça fait glock. Barrière géométrique. Non, mais on est où là? Non, pas ça. Barrière de western. Ah, je sais pas, qu'est-ce qu'on met comme barrière? Sinon, mais gentil, juste des barrières normales en fait. Genre juste en mode traverse pas, sinon t'es con. Vas-y, on met ça. Hein. Alors, une. Deux. Non, en vrai, ça va. Franchement, ça va. C'est pas non plus trop moche. Trois. Et là, on remet juste... Attends. On va tester. Tac. Donc, une barrière là. Je sais pas vous kiffez ce que fait. Hein. En vrai, les gars, j'essaie de décorer à ma façon, mais... Alors, j'ai pas le meilleur niveau du monde, mais... Oh non. Oh non, attendez. Elle est moche, là. On fait un truc propre. Voilà. Oh, on voit même pas qu'il y en a deux. Ici, encore une autre. Tac. Comme ça. Et là, du coup, on met juste des petites barrières de 2 mètres. Ça devrait suffire 2 mètres. Ah non, ça suffit pas. Sinon, on fait 2 mètres et 1 mètre. Hop, 2 mètres. Tac. Et là, on met celle de 1 mètre. Ça devrait le faire. Comme ça. Ouais, c'est bon. Ils ont pas pété un câble. Hein. Ils sont pas débiles, les gens. Enfin, si, ils sont un peu débiles, mais bon. Voilà. Oui, on a fait notre truc, les amis. Nickel. Donc là, du coup, c'est bon. On a mis du coup la barrière pour pas que les gens sautent dans l'eau parce que je les connais. Est-ce qu'on en mettrait pas des différentes, mais genre qui soient stylées quand même? Là, non, là ils vont sauter, c'est aussi sûr. Barrière métallique, mais ça, là c'est glock, non? Ça fait moche. Sinon, on met des buis au pire, genre des gros trucs, des gros buis bien imposants ou des gros trucs comme ça, les gens peuvent pas passer et ça fait quand même ambiance un petit peu verte. Je pense qu'on peut essayer de faire ça. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Tac tac tac, grosse grimpante, ça va pas dans l'eau, ça, non. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Buisson. Ouais, à pierre. Non, buisson, ça peut le faire. Oh, des grosses pierres. Oh, ouais, des grosses pierres, le long là. Des gros, mais pas trop non plus. C'est beaucoup trop gros ça. C'est beaucoup trop gros. Mais c'est énorme. Je veux des petites pierres en fait. Non, mais je veux des petites pierres en fait. Il n'y a pas des gros. Des... Bon. Sculpture végétale. Oh. Oh. Ah. C'est dégueulasse. Non, par contre, ça, on peut peut-être le mettre autre part. Ah ouais, genre ça, on peut le mettre peut-être le long, là. Il y a moyen. Ah oui, mais il y a large moyen. Des petits buis magnifiques. Ou même là, le long, là, des petits buis. Est-ce que... Alors, dans le chat, oui ou non? Est-ce que... Vu que je n'ai trouvé pour l'instant. Est-ce qu'on met genre des petits arbres le long, là? Je n'ai aucune idée si c'est bien. Est-ce que mon parc est bien? Oh là, le parc rapporte que 215 euros, là, ça descend. Et ça descend de fou, en fait. 193, 170. Oui.
En vrai, on va le faire. Hein. Ça fera un peu d'ombre et les gens sont pas contents, mais ils partent, ils coupent l'arbre au pire. Et. Deux ou trois. Deux, ça suffit. Hein. Deux. Et peut-être, genre. Après, peut-être pas des buissons comme ça non plus. Juste là, peut-être, alors, peut-être des petits buissons là, par contre, pour faire de la déco. Ou des petits arbres. Non, alors les arbres. Non, voilà, ça. Ces trucs-là, je les trouve magnifiques, ces arbres-là, comme ça. C'est les meilleurs trucs qu'il y a sur la map. Enfin, sur la map, sur le jeu. Vraiment, j'adore. J'adore, en fait. Tac. 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 Désolé, mais j'aime trop. J'aime trop ces buissons. On a mis un troisième ? Non. Tac. 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 Et tac. Je trouve ça magnifique. Attends, lui, il est peut-être un petit peu trop. Là. Attends, on le replace parce que ça va pas. Oula, lui là, voilà. Je trouve ça d'une beauté. Ok, donc là c'est bon. On a placé nos petits arbres et tout. Par contre, ils sont. Le problème, c'est qu'ils sont où les arbres là ? Ils sont dans le sol. Bon. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Mon attraction, elle a été testée ou pas ? En vrai, on peut l'ouvrir peut-être. Hein. Test. Ah, ils font des tests en fait. Ouais, bah, on peut l'ouvrir. Let's go. Allez, c'est ouvert. C'est ouvert, les amis. Bon, le terme, on risque de tomber dans l'eau, mais bon, c'est pas grave. On va juste vite mettre des barrières ou des buissons. Avant qu'ils se pètent la gueule, les gens. Alors, vite. Oh, des petits arbres, alors. Des petits arbustes, là, qui font plaisir. Un truc, alors. Un truc large, mais pas haut, en fait. Faut un truc large, mais pas haut. Genre, non. Oh, le monde qui va. Ah, non, peut-être pas ça non plus. Qu'est-ce qu'on a ? Ça peine Noël, mais c'est pas Noël. C'est quoi, ça ? Y a pas des petits arbres, mais qui sont pas hauts, mais qui servent bien à obstruer la zone ? Boulot. Ouais, boulot, ça va pas, boulot. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il n'y a pas. Hein. Sinon, on part en buisson. Ça part en full buisson. Mets des petits arbres à la place des barriments. Des barriments. Buisson. Ah ouais. Franchement, eux, ça peut le faire. Ça donne quoi quand on y est ? Ça donne quoi ? Ça fait gros, hein ? Ouais, mais après, c'est quoi ça ? Oh, buisson de plage. Oh, ouais. Tu mets des buissons de plage. Attends, va dessous. Ah, dessous, j'ai dit. Tac, petit buisson de plage. Et là, ah bah voilà, j'ai trouvé. Tac, tac, tac. Oh, en vrai, ça va. Faut mettre du feuillage à mort. Ok, ici aussi, parce qu'il y en a bien qui vont se péter la gueule, je le sens bien. Tac, tac, tac. Là. Ok, et là. Donc là, c'est bon, les gens y sont. Maintenant, ce qu'on peut rajouter, tournesol. Alors, pas du tout. Non, des effets spéciaux là, des trucs qui font stylé. Salut, mets des roseaux. Ah, il y a des roseaux. Diffuseur de neige. Alors non, diffuseur d'eau, il y a pas. Fontaine de jet d'eau. Oh nice. Ça on peut pas le mettre genre là ça fait moche là. On peut le mettre de ici là. Je sais pas, si on met ici. Les gens ont pété un câble, non ? Confetti métallisé. Non. Ah, je sais pas. Ah non, je sais. Oh ouais, j'ai une idée. Tu les mets là. Tu mets des trucs là. Ah ouais. Effet arc électrique. Jet d'eau. Y a pas des gros jets d'eau intermittents, jets d'eau puissants. Oh, ouais. De ouf. Jet de vapeur. Oula. Grande trompe d'eau. Ça, c'est parfait, ça. Tu le mets là. Comme ça, quand les gens y passent, ils sont mouillés. Oh, j'ai une idée. Tac. Là, y a pas du feu aussi. Lance-flamme. C'est trop bien. J'adore. Attends, intermittent. Et 3. Lance-flamme. C'est un peu... What? À la fin, quand t'arrives... Oh, mais ça va brûler les parois, là. Non, tu le mets là, au départ. Dès que t'arrives, tu départs, là. Bam. Full feu. Tac. Tac. Oh, attends, mais c'est intermittent? Genre, il s'arrête pas, des fois? Lance-flamme. Et 3. J'ai la... Bon, en vrai, c'est... On dirait que ça crame quand même. Hein. J'ai d'eau dans l'eau. Ouais. Ah ouais. Oh. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Vous êtes les meilleurs. Attendez. Je vais aller sur eux là. Caméra. Ils arrivent. Bonjour. Oh, ça donne tellement envie. Ça donne tellement envie. Vous arrivez, tu vois le parc et tout. Bon, c'est un peu vide, mais... C'est propre en vrai. En vrai, je trouve ça propre, hein, les gars. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de dire FS19, il n'y aura pas de farming. C'est un live sur ce jeu, donc voilà. Oh, les flammes, quand même, ça fait flipper, non ? C'est peut-être de trop, les flammes, non ? FS19, il n'y aura pas de farming aujourd'hui. Hein.
Ah, c'est propre. En vrai, je trouve ça joli. Franchement, les petits trucs sympas. Bon, là, par contre, il va falloir. Est-ce que du coup, on mettrait pas un restaurant là, par hasard? Est-ce qu'on perd de l'argent? Oh, on gagne 700! Oh, l'argent, regardez le budget qui monte! Ça nous rapporte tellement de thunes, ça. Il va y avoir tellement de gens dans cette attraction. Ah ouais. Franchement, ça, c'est peut-être abuser les flammes, non? Bon, on les laisse pour l'instant. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a du coup dans. Alors, le parc, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va bien? Les employés sont satisfaits à moitié quand même. J'ai envie de m'amuser, pas de faire des emplettes. Je trouve que ça manque d'attraction. Mais connard, ça m'est arrivé. Désolé. faut pas me jouer. Comment ça va? Marketing. Lancer une campagne. Ah! Campagne traditionnelle. Émission humoristique. Créneau. Horaire grand public. Ah! Bah, vu qu'on est pété de thunes, en fait, on peut faire tranquille. Vu qu'on. Campagne vidéo virale. Vidéo Gulpi. Bannière publicitaire. Bah, des gars, on fait de la pub en fait. On fait de la pub sur internet. Renouvellement auto. Bah, c'est parti en fait. Il reste 30 jours. C'est bon, on a lancé une campagne publicitaire, les amis. On est parfait. Bon, maintenant. Mes employés sont sentis. Atelier. Ah ouais. Ok, sympa. Boutique. Bon, l'ensemble, c'est quoi l'ensemble? Parce que là, ça me va pas là. Là, c'est vert, ok. J'ai envie de m'amuser. Mais lui, il a quoi lui? Il est où d'ailleurs? Que je lui pète la gueule. Il est au chiottes. Non, il est où là? Hein? C'est lui là, c'est toi qui pète. Mais non, c'est possible. Bon, moi je sais pas. Si c'est lui, j'ai rien à penser des visiteurs. J'ai rien à m'amuser, pas de faire des emplettes. Juste un memento. Bah, c'est un truc pour. Mais. C'est pas une attraction, c'est pour manger ça. Bon, c'est pas grave. Ensuite, ça dit quoi? Important, y a rien. Un voleur coupable de deux crimes à être appréhendé. Trop de visiteurs tentent d'utiliser la machine à pince. Ah, peut-être qu'il faut que j'en ramasse une deuxième, peut-être. On en met une deuxième petite. Vous voulez une machine à pince? Y a pas de souci. Une machine à pince, ça n'a pas de problème, on met des machines à pince, les gars. En avant, où c'est qu'on la met? Là, les gens ici, ils traversent, là. Ah, mais regardez, ma route, elle a... Du coup, tout le monde passe par là, il n'y a plus personne qui passe par là. Bah, attendez, du coup, on va mettre de la lumière aussi, parce que j'ai mis de la lumière là, mais si vous passez à côté, ça va pas. Donc, petite lumière ici, petite lumière là, petite lumière ici, petite lumière là, et ici, et là. Voilà, vous avez de la lumière. Oula, c'est pas aligné. On va quand même remettre ça un peu mieux. Non, pas dupliqué. Voilà, il y a de la lumière. C'est magnifique. Environnement. Maintenant. Maintenant, on peut faire un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Ambiance. Non. Nature. Il manque quoi? Attends, on va essayer de voir si on veut pas mettre des bâtiments là. Des choses qui donnent envie. Je sais pas, des restos ou quelque chose. Mais un bâtiment qui prenne la place ici. Parce qu'il n'y a rien et ça fait bizarre. Donc là, il faut un bâtiment qui soit stylé. Je sais pas, pour les enfants, j'en sais rien. Le jeu est sur PS4. Je crois pas. Une grande fontaine dans le terrain. Ah ouais? Attendez, regardez qu'est-ce qu'il y a ici là. Bâtiment des employés. Nourriture, boisson, souvenir. Billets, premier secours, toilette. Est-ce que t'as envie de pisser avant d'y aller? En vrai, oui. Hein. Sinon, mais les toilettes. Bah, ça fait. Non, faut mettre. Moi, j'ai envie de mettre un gros bâtiment. Hôtel. Mais un hôtel, tu mets pas un hôtel ici. Il faut mettre. Là, ok, un resto. Mais il y a un truc pour manger là. Tu peux pas manger ici. Si? Un centre commercial. Mais mec, oui, ok, on peut en mettre, mais je veux dire, c'est énorme, quoi. Boutique et service. Hôtel. Restaurant. Vous voulez bouffer? On va bouffer. Restaurant, c'est gros, ça, ou pas? Oh, ça va, en vrai. Oh, ça passe, le resto. Le petit restaurant, là, il va aller par là. Mais mec, c'est magnifique. Le problème, c'est que c'est ce bâtiment qui me fait chier. Ou alors, plutôt dans ce sens, dans ce sens-là, comme ça, t'as une vue sur les attractions, non? Ou peut-être comme ça. Attends, préférez avoir une vue comme ça ou une vue vers là? Moi, j'aurais dit une vue vers là. Ah ouais, une vue vers là. Comme ça. En vrai, dans ce sens-là, j'aurais dit. Premier secours, ouais, faudra mettre ça, ouais. Une fontaine sous les balançoires. Ah ouais. Bon, bah, les amis, ça va partir comme ça. Hein. Mais, ouais, comme ça. Pour moi, comme ça, ça va. Là, ici, bon, on va enlever le bâtiment de merde. Hein. Mais, allez, let's go, on place ça. Lui là il va partir je sais pas où, il va partir pour l'instant tu vas aller là-bas. Là on va raccorder. Le problème c'est que comment ça se passe là? Le resto il faut de la place ou les gens rentrent direct comme ça ou je sais pas comment ça se passe pour ça. Boutique. Bon bah écoutez on va lancer. Salut, oh, il commence à être nice là. En vrai ça va, je suis content. Alors allez après on faut se dire qu'on est quand même en cheat, enfin on a argent illimité donc c'est normal qu'on ait un truc cité. Là on va changer d'allée, on va faire une allée frappée. Ils disent quoi? Attends c'est quoi? C'est une allée noir frappé, le Go Planet Coaster. Le Go Planet Coaster. Bah écoutez, pour aller manger, hop. Allez, à table. Où est l'entrée? Bah rentre. C'est l'entrée, ça?
Attends, mais c'est pas trompé au moins. C'est pas là l'entrée au moins. Attendez, c'est où l'entrée? Attendez, c'est où l'entrée? On rentre pas où? Ah, on doit rentrer par là. Oh non, je me suis trompé. Non. Bon, faut le tourner. C'est bon, on me suis trompé. Voilà, c'est pas arrivé. Ah, mais voilà, c'était l'entrée ici. Bon, bah, du coup, on va le mettre au fond là. Hop. Ouais, mais les gens, il faut qu'ils puissent y accéder facilement. Là, il est dans un coin paumé, non? Sinon, on le met là. Un petit resto là. Oh ouais, mais là, c'est nickel, là. T'as une vue sur tout le parc, après. Ouais. Ah, mais ça fait bizarre. Il est pas placé bizarrement, là, quand même. Enfin, je sais pas. Là, on regarde... On regarde plus vers là. Un petit resto, là. Moi, en fait, c'est dommage qu'il y ait l'entrée et un autre côté. Sinon, on peut le mettre... là. Là. Mais non, pas là. Là, ça serait stylé, là. Là, soit tu vas bouffer aux petites tables, soit tu vas bouffer au resto. Moi, j'aurais dit ça. Franchement, là, ça passe. Allez, on fait ça. Allez, on va. Pour l'instant, on le met là. On va mettre une petite allée, du coup. Mais du coup, l'allée qui passe comme ça. Hop. Là, et la sortie, elle est où, par contre? On sort où, de ce truc? Ah, on sort pas? Ok. Bon, bah, on reste là, alors, c'est-à-dire. Bah, non, mais on fait quoi, du coup? On sort par où? Attends, il est ouvert ou pas, le truc? Nombre de trucs. Boutique et service. Ouvert, ouais. Ah, est-ce qu'il faut pas des employés? Non. Attendez. Un hôtel. Attends. Non. Quoi non? Ça vous voit pas ici? Non, il n'y a pas de sortie ou non, c'est nul? Dites-moi. Un hôtel, mais non. Attends. Tu fais une grande route et après tu choisis l'enlacement. Un lance-flamme sous les balançoires. Ça va brûler le cul des gosses après. Attends, mais ça. Ah, si, déjà. Attends, il y a des gens qui y vont. Attends, caméra. Oh. Ça fait peur quand même. Hein. On y est là? Bon, on voit plus du coup ce qui se passe. Mais c'est bon, du coup, c'est ouvert là. La queue a l'air bien trop longue. Mais c'est une gueule quoi. Ah non, pour The Little King. C'est quoi The Little King, c'est ça? Oh, what? Oh, le monde qu'il y a. Oh là là. Les gars. Nombre de minimum de passagers. Attends. Intervalle minimum entre les départs, 3 secondes. Oh là, activer les passes prioritaires. Ah ouais. Oh. Entrée des... Hein? On peut faire des passes prioritaires? C'est trop bien ça. Ouais mais comment ils y vont? Parce que là du coup on n'a pas fait la bonne route pour les passes prioritaires là. Ils sont sous un trou. Ah mais je vous l'avais dit qu'il y avait du monde les gars. Mais je vous l'avais dit qu'il y avait du monde. Oh là là, le monde qu'il y a. Attends mais il faudrait pas peut-être l'éloigner du coup le truc? Est-ce qu'on l'éloignerait pas? Attends, est-ce que si on l'éloigne ça fait enlever tout le monde? On peut pas l'éloigner, oh non. Vous devez fermer l'attraction, oh non. Comment on fait? Un parking. Mais non, pas un parking. Oh non. Il y a beaucoup trop de gens, c'est plein. Mais c'est plein en fait, c'est plein. Parce qu'en même temps, j'ai beaucoup trop de monde dans le parc, non? Je suis à moins 103 euros, pourquoi? Hein? Pourquoi je perds de l'argent? Moyenne, juillet. On est quel mois? On est septembre. Juillet, oui, je suis en illimité peut-être, mais quand même. Autre revenu. Certains employés ne trouvent pas d'endroit où faire une pause. Ah, allez, on va mettre le bâtiment des employés. Attends, bonus. Non, pas bonus. Employé max. Bah, plus en fait. Bah, largement plus en fait. Hop. Voilà, comme ça, il y a des employés qui peuvent aller dedans, non? Ou alors, on peut rajouter un autre bâtiment des employés. On va faire ça, les gars. Il n'y a personne à la grande roue. Y a plus grand monde, ouais. On va baisser le prix du billet, peut-être. 3,50€. Bon, ça va. Non, mais en vrai, ça va. Mais en fait, il y a du monde partout, là, carrément. Il y a du monde partout. Mais le problème, c'est que là, je sais plus où donner de la tête. Et mon resto qui est là, mais mon resto, le problème, c'est que je sais pas, les gens, ils rentrent par où, ils sortent par où. Après, si je pense que si il est ouvert, c'est que c'est bon. Hein. Ouais, si c'est ouvert, ça doit être que c'est bon. On peut pas l'éloigner, le mettre un peu plus loin, peut-être. Voilà, mettre un peu plus loin, comme ça, on va faire de la déco. Hop. Il y a plus de route, par contre. Tac. Et là, attendez. Tac. Ok, donc là, ok. Bon, pour l'instant, on a fait ça. On verra pour le reste. Il y a une route ici. Là, le problème, c'est que mon attraction, il y a beaucoup trop de monde. Comment on fait pour... En fait, on peut faire les passes prioritaires, mais je sais pas comment ça se passe. Ça se met où, les passes prioritaires?
placer l'entrée des places prioritaires. Enfin, des trucs prioritaires. Je peux même pas. La file d'attente ne serait pas valide. Ah. Ah, là. Ah, ok. Ah, c'est-à-dire qu'en gros, attends. Ça veut dire qu'en gros. En gros, tu passes par là et en gros, tu gruges tout le monde, c'est ça? Placer la sortie. Bah, du coup, tu arrives là, non? J'aurais dit comme ça, moi. Et relié. Attendez. Ouais. Mais c'est quoi le but, en fait? Parce que là, du coup, ça sert à rien. Là, du coup, là, c'est les passes prioritaires, ici, là. Actuellement. Voilà. Mais du coup... En gros, les gens payent plus pour aller plus vite, c'est ça? Hein? Tout le monde est sorti? What? Mais qu'est-ce qu'ils font là, tous les gens? Mais... Y'a plus personne. Y'a plus personne. Y'a plus personne. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Pourquoi ils sont sortis? Attends. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Oh, mais... Plus qu'à l'attraction pourrie, The Little King. C'est laquelle? Celle-là, il parle? Mais... Je n'ai pas acheté de souvenirs. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ferme. Non, ça ferme pas. Qu'est-ce que raconter? C'est ouvert. S'il vous plaît, aidez-moi. Tu as fermé l'attraction. Non. Car tu as fermé. Est-ce que je l'ai... Oh non. J'ai perdu tellement de gens. Je suis à moins de 2000 euros. Non. Bon, faut trouver une solution là. Je suis à moins de 2000 euros. Il faut faire des choses qui marchent. Allez, directement une autre attraction parce que là, ça a plu. Attraction sur les rails. Montagne russe. On trouve un truc. Tu as mis des passes. Ils vont revenir. Ah, c'est bon, ils reviennent. Ils reviennent, mais... Et du coup, si tu payes plus cher et tu passes devant tout le monde... Ok, bon, si tu veux. Oh, c'est quoi ça? Y a pas des kartings. En vrai, j'aimerais trop des kartings. Franchement, les gars, je veux un karting. Y a pas des kartings. C'est dans quoi? Attraction sur rail? Attraction? Karting, c'est quoi les kartings? Y a pas de karting? Il en avait vu qu'il y en avait des kartings. Oh non. Sinon, y a quoi comme attraction? Peut-être plus détente, non? Ce qu'on a mis là, c'est que là, on a gros attraction. Voilà, c'est petit... Là, il va falloir une autre attraction. Faut une attraction ici, là, qui soit peut-être plus tranquille, mais qui est... En fait, qui est une truc tranquille, mais qu'il peut y avoir masse de monde dedans, en fait, parce que c'est le problème. Il faut qu'il y ait masse de monde dedans. Sans forte, attraction calme. Calme. Bah, faut un truc petit. C'est quoi, ça? C'est gros ou pas? Bah, c'est gros, ça. C'est quoi, ça? C'est gros aussi. Bumpy Derby. Ah, c'est pas... Bah, c'est auto-tamponneuse, ça. C'est auto-tamponneuse, ça? Oh, mais carrément. Alors là, mais carrément. On fout auto-tamponneuse ici. Bah, ouais. En vrai, ouais, non? Ça vous dirait pas? Des petites auto-tamponneuses, là, par là? Moi, ça me dirait, là. Là, en plus, ça irait bien. Je le sens bien, moi. Je le sens carrément bien. Bon, bah, écoutez, les gars. La boutique de souvenirs. Vas-y, go. Let's go. Voilà, oui! Je suis content. Allez, on met une entrée. C'est parti. Entrée auto-tamponneuse. L'entrée, elle va être... Attends. Il faut qu'on fasse une grosse file d'attente, par contre. Parce qu'il va y avoir masse de gens. Donc, faut penser à ça. Donc, ça fait stack. On met la sortie, bah, du coup, là. Et là, par contre, l'entrée, il faut qu'on fasse un truc du style tac, 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 tac. Ça va vraiment être le truc chiant, quoi. Tac. Tac. Là, tu crois que t'y es, mais t'y es pas. Du coup, tu repars par là. Non, ça aurait fallu la faire comme ça. Est-ce que j'abuse, là? Bon, voilà. C'est pas droit. C'est pas droit du tout, ça va pas. Attendez, j'ai fait n'importe quoi, là. Comment on remet ça droit? Non! Je veux... Non, mais je modifie ma route. On peut pas? Attends. Calme-toi, on va remettre ça droit, parce qu'en fait, j'ai fait n'importe quoi. Je crois qu'il y avait trop de gens, en fait, mais il n'y aura pas de monde. Donc, ça sert à rien. Placer l'entrée. Donc l'entrée. Tac. Tac, 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 tac. Comme ça. On fait comme ça ou on fait encore... Bon. Ah, c'est attraction sur rail pour le karting. Ah ouais. Bon, là du coup c'est bon. La sortie c'est bon. On met le test. Let's go. En avant, t'es en test. Il va falloir vraiment qu'on fasse masse de choses pour la décoration, les gars. Parce que là ça va plus. Hein. On décore plus assez. Là on a fait une bonne décoration, je suis content. Mais il pourrait avoir largement mieux. Il y a plein d'endroits qui sont vides, donc ça va pas. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qui me va?
La boutique est vide depuis un moment. Bah mais qu'est-ce que j'y fasse moi? Ah mais c'est normal qu'elle est vide, il n'y a pas de route. Bah oui mais qu'est-ce que j'y fasse mais... Attendez, on peut la mettre où la boutique là? La boutique, on peut la mettre. Sinon on la met là, sinon en vrai on va mettre non, là ça fait moche. Là ça fait encore plus moche. On va la mettre au bout de la route là. Ça fait glauque mais je sais pas. Je ne sais pas. Bon, elle va rester là pour l'instant. Place les poubelles et des bancs. Normalement, on peut voir. Normalement, on peut voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas dans le parc. C'est ça le truc. Et là, actuellement, on voit où. Là, quand je clique sur l'envie d'ensemble, la file d'attente pour Cheryl Plain. Ah non, était pleine. Pourquoi Cheryl Plain? C'est quoi ça? Il est où celui-là? Que je lui pète la gueule. Il est là, c'est ça. Bah ouais, mais qu'est-ce que j'y fasse? Il y a du monde, il y a du monde. Peut-être en vrai les gens ils veulent des attractions calmes hein. Je pense que ouais. Ou alors on fait une file d'attente plus grosse. Mais il va falloir la fermer donc non, si on la ferme on va perdre du chiffre d'affaires. Donc non. Là les gens ils passent ou pas? Il y a personne ici, pourquoi il y a personne? Les gens ça s'arrêtent même pas en fait, ils s'en foutent de ce que j'ai fait. J'ai passé toute ma journée à faire ça. Bon, là la file d'attente se crée, c'est nickel. Il manque quoi? Mettre un écran passe prioritaire. Bah pas pour ça mais mec, pas pour ça, non non. Passe prioritaire, ça va pas parce que logiquement on aurait dû faire un truc qui soit chiant à faire, un gros. Non, ça va pas. Là, ça va pas. Là, il faut jouer le vue d'ensemble. Plusieurs boutiques sont prises d'assaut. Trop de visiteurs utilisent comique truc. Ah ouais, donc il faut plus de boutiques, vous pensez? Il faut plus de boutiques. Sinon, ce qu'on va faire, c'est que peut-être qu'on peut enlever ça. Et là, la route, elle rejoint là-bas. Ah ouais, 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 ouais. Attendez. Donc ça, désolé mon petit gars. Ça va aller là pour l'instant. Ça va aller dégager aussi. Attendez. Tac. Et là, du coup, on va faire une allée. Ah ouais. Il n'y a pas une allée chemin tranquille, là. Alpha, asphalte, pavé. Non. Bah, motif. En pierre. Dalle de pierre. En grès. En grès, ça donne quoi? Le grès, c'est quoi? Ah ouais. Ça passe grave, en fait. Ça passe tellement grave. Ah ouais. Donc là, on va faire une allée, en fait, qui va là. Là, qui rejoint un truc là, bah du coup on va modifier cette route là. Cette route là va devenir de la grès. Hop. Et là il va y avoir des boutiques partout, 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 partout. Là ça va être de la full boutique. Attends, rejoins. Ça enlève-toi. Non, j'ai dit que non mais. Tac. Non mais enlève-toi toi. Tac. Tac. Voilà. Donc là on est bon. On va rejoindre tous les bâtiments. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est un. C'est pour acheter du lait. Comixco. Bon, vas-y achète ce que tu veux. Attendez. Donc là, tu as. Non, il va faire une belle allée. Et à partir d'ici, il y a des choses intéressantes. Là. Ok. Ça, on va peut-être le mettre. Ouais, caché, c'est caché, mais c'est bien ici. Là. Tac. Ok. Est-ce que c'est sympa, là, les gars? Est-ce que pour l'instant, ça gère? On va rajouter des buissons. Là, ça va partir en full buisson. Ça duplique. Ça part en full duplication. Tac. Tac. Oh les gens, les gars, j'aime trop faire des allées comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop. Les allées avec les buissons verts comme ça, c'est j'aime trop. Attends, on va reprendre. Tac. Ouais, je trouve ça beau, beau, beau. Après, là, pour l'instant, là, on va remettre. Là où c'est que je mets les buissons, il y aura rien sur le côté. Hein. Ça va être une route. Parce qu'après, on est sur le bord du parc, donc c'est pas ouf. Ah, yes, là, c'est nickel. Là, ouais. Et après, bah, là, il y aura des choses, donc on va pas mettre des buissons. Peut-être prendre un petit buisson là. Mais là c'est bon pour l'instant, ok. On perd de l'argent, on a moins 118 euros. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait perdre de l'argent en fait là? Moyenne mensuelle, coût d'année, on est à quoi? Moins construction, ok. Gestion du parc, bénéfice. En fait, on gagne pas assez. Donc, ça, vu qu'il y a max de gens, on va augmenter le prix en fait. Et tu sais quoi, on va passer ça à 8 euros, les gars. 8 euros, bam, 8 euros. Je pense qu'il y aura moins de gens dans la file d'attente et on va gagner plus de flouze. Donc ça, c'est bien. Ok, bon, pour l'instant, on est bon. La grande roue, il y a moins de gens. Donc peut-être la grande roue, on va la laisser comme ça. Là, on est bon. Mets un petit stade de bouffe. Un stade de bouffe? Attendez. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, là, il faut qu'on décore. Salut, Stavio. Yo, les gars. Il est quelle heure? 17h27. J'arrêterai d'ici un quart d'heure, 20 minutes, si tu veux arrêter. C'est vrai, j'ai un tournage. Tulipe carré. Tournesol. Non. Qu'est-ce qu'on a du coup dans les allées? Des abris, des auvents, des petits bancs. Des petits bancs. Sauf qu'on a mis des buissons, donc il n'y aura pas de bancs. Non, on va mettre des petits bancs au pire. Ah ouais, les bancs, on les met où les bancs?
Ça c'est ouvert ou c'est en test? Ça c'est en test aussi, mais qu'est-ce que tu veux y foutre? Des arbres, hein. Des petits arbres. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en général dans les tamponneuses? Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je regarde des vidéos de gens en fait. Qu'est-ce qu'ils ont pour décorer? Karting. Non mais les gars, là on arrête de mettre des attractions. Il faut vraiment que on... Nico doit te parler. Ah bah ce soir on tourne donc il pourrait être là. C'est bon, il me dira ce soir. Alors fontaine, tour défensive. Ok, bonhomme de neige. Boulot. Après ça c'est des arbres. Hein. Ah je sais pas. Là je sais pas. Bah là en fait faut qu'on mette des choses qui ferment la zone en fait. Que le parc soit un peu fermé. Donc des choses soit assez hautes, soit... non mais arrêtez, alors, on met plus d'attraction pour l'instant les gars. On perd de l'argent mais ouais, mais comment vous voulez qu'on y fasse là? Je vais augmenter l'entrée du parc au pire, hein, parce que là il y a plus de choses donc l'entrée du parc va être plus chère. Hein. 6€, c'est déjà cher hein, 6€. Faut qu'on remonte en positif. Ah! Oh on est en positif presque. Moins 72 là. Qu'est-ce qu'on peut augmenter comme prix là? Ah la file d'attente c'est bien vidé là quand même. Hein. Ok. Là il y a beaucoup de gens donc on va peut-être augmenter du coup le prix à 10€ de l'attraction. Et les passes prioritaires du coup, ça donne quoi pour les passes prioritaires? Est-ce qu'il faut, qu'on fasse un prix pour les passes prioritaires? Attendez, c'est où que ça serait que ça? Statistique du billet, ouais, ok. Le jeu est payant. Centre de secours. Attendez. Chaîne de montagne russe. Désactiver les passes prioritaires. Non, 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 je laisse. Bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est bon. Bah attends, auto-tamponneuse, c'est pas ouvert encore, donc on peut les ouvrir. C'est en test encore. Allez hop, on est ouvert ça. On est ouvert, on commence à 5€ le billet. Et là, on va repasser en positif. S'il vous plaît, il faut qu'on repasse en positif. Moins 50, moins 20. Non, ce jeu, franchement, tu peux avoir le PC le plus pourri au monde. Il va tourner. Qu'est-ce que c'est qui est par terre là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Le mec, il a gerbé ou quoi? Oh, faut des agents nettoyer. Il faut des agents qui nettoient. Oh non. Agent mécanicien, technicien, vendeur. Et c'est où les nettoyeurs? Bah attendez, technicien de propreté. Ah voilà. Hop, nettoie-moi ça s'il te plaît, merci. Ah ouais, mais nettoie. Bah nettoie ça. Il nettoie pas. Pas de FS, non, pas de FS. Bon là du coup c'est ouvert. Moi du coup c'est encore cette partie là qu'il faut que je trouve qu'est-ce qu'on y met. Sinon mais un simple bâtiment. Hein. Un simple bâtiment qui comble la zone et qui fasse décorer. Un problème c'est que mettre un hôtel en plein milieu, je sais pas vraiment si ça sert tu vois. Grand bâtiment, petit bâtiment. Qu'est-ce qu'on a en petit bâtiment? Oh, mais c'est juste des bâtiments. Il faut que, là pour l'instant, il faut quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Donc il nous faut un boutique et service. Ouais, on va essayer de voir hein, qu'est-ce qu'il y a. Sinon, une petite attraction. Ouais. Oh, bah, ça passe ça, c'est petit. Ah, c'est gros quand même. C'est gros. Un truc hyper fin. Vous savez, le truc pour les gosses là, que. Ça, c'est petit ça. Il faut un truc. Oh, ça, on le met mais direct. Rappelez-vous, c'est quoi ça? C'est le 360 power, on va le mettre dès qu'on peut, on le met. Parce que ça, c'est la meilleure attraction du monde, en fait, clairement. Bon, qu'est-ce qu'on met là? Je trouve pas, je sais pas. Montagne russe, outil. Oh, mur. Colonne, arche. Secours ou des pinces? Des secours? Ok. Attendez, donc nourriture, c'est bon. Souvenir, on peut mettre des petits. En vrai, sur le pire, on met des boutiques, hein, sinon. Bon, secours, c'est vrai qu'on n'a pas de truc secours. Boutique, qu'est-ce que c'est que ça? Mais, enfin, non, mais je veux pas non plus pour secourir quelqu'un, faut pas non plus un truc de fou. Oh. Oh, ça ferait une bonne déco en vrai. Comme ça là. Oula, c'est quoi ce bruit? Ouais, truc de secours. Ouais, mais ouais, en vrai, ouais. Enfin, je sais pas pourquoi. Non, en vrai, ça le va, non? Ça va. Bon, en vrai, au pire, le truc de secours plutôt vers le fond, quoi. Parce que on s'en fout, quoi. C'est un truc qui sert à rien, qui est loin. On va le mettre comme ça là, ici. C'est le centre de secours ici. Ça, au moins voilà, enfin ça suffit, pas la peine d'un truc de malade. Ah non, on va reprendre les routes normales. Tac. Voilà, si jamais t'es malade, t'iras ici. Ok. Naturel. Non, non, pas naturel. Donc là on a mis du coup un centre de secours. Distributeur de billets, information, entrée de parc, gestion des employés. Et peut-être qu'il faut mettre un autre bâtiment aux employés. Bon, pour l'instant on attend. Un hôtel, c'est bon. Petites attractions. C'est vrai que ça. Des petites attractions. Il n'y en a pas. Très bien. Et là, il n'y a que le guichet. Ah non! Ah non! Mais c'est pas une attraction ça! Attendez. Petite attraction. Il y a que la machine à pince! Sinon, on en refout une deuxième. Hein. Genre un endroit qui est un peu vide là. Oh, bah voilà, là, tu joues à ça! Non, tu peux pas ici. Si tu peux! Oh, mais mec, voilà, tu fous une machine à pince ici. Comme ça, les gens qui sont ici, bah, ils peuvent jouer.
Ah ouais. Problème, j'ai foutu ça qui gêne. Attendez, ça, ça va dégager. Ça va aller là pour l'instant. Tac. Et donc là, ma machine à pince, on va la récupérer. Enfin, ou alors autre chose. Mais attendez, mais pourquoi c'est si dégueulasse que ça, mon parc, là? Oh, mais moi, je veux un parc. Attends, mais les gens pensent que le parc est sale ou quoi? Il faut que je voie la vie des gens. Ou attends, Bumpy Derby ne vaut pas le coup vu ce que j'ai payé pour le ticket d'entrée. Le Bumpy Derby, c'est ça? C'est quoi le truc derby? Le Bumpy Derby? Oh! Ah bah t'es pas content, hein, tu vas voir ailleurs. Hein. C'est quoi ça? Little King. Ah lui il est hyper content, trop content, c'est nickel. Eux ils sont contents. Je ne m'éclate pas assez pour vouloir acheter quoi que ce soit juste à Momento 2. Bah attends, tu viens d'entrer donc tu peux être tranquille. Lui il veut quoi? Les visiteurs font leur possible pour éviter d'être malade. J'espère bien. Ouais, grande roue a l'air tellement lent. Bah oui, mais c'est normal, c'est une attraction pour les vieux ça. Poubelle. On met tous des poubelles. Ah, des poubelles, il n'y a pas assez de poubelles. Des poubelles, et bien sûr. Bon, j'en ai mis des poubelles là, on va peut-être en mettre par là. Ok, poubelle. Bon, c'est dans quoi? Boutique et service, allez hop. Poubelle. Poubelle. C'est où les poubelles? Poub. Eh ben, c'est pas la poubelle? Poubelle! Merci. C'est dans environnement? Oui, c'est dans environnement, pardon. C'est moi. Poubelle. Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a en poubelle? Poubelle, mais poubelle normale, c'est bon. Oh, bon, on s'en fout, mais des poubelles magnifiques. Une poubelle là, une poubelle. Bah, en fait, il faut mettre un peu partout. Clairement, dans tous les coins, ça part en poubelle, quoi. Une poubelle par là. Quoi, les gens ils jettent par terre, c'est vraiment des chiens quoi. Ils jettent tout par terre les gens. Hop. Moi j'aurais dit, ah ouais, des bancs là, le long des petits bancs. Ah quoique. Ouais, bon, non, il y a déjà assez de bancs en vrai, on va pas mettre des bancs non plus. Information pour le pass. Ah ouais, faut mettre ça. Ah, des informations pour le pass. Mais attendez, vu qu'il y a un pass prioritaire là, est-ce qu'on mettrait pas un guichet Comment ça se passe pour ça? Ah, je sais pas, fontaine. Sinon on met décoration en fait, hein. Effet, nature, décor. Ouais, là faut mettre des décors. Fait une série. Mais les gars, c'est déjà une série hein, sur ce jeu, les gars. On est déjà en train de faire une série. Projecteur de couleur. Oh. Mais oui, mais carrément, le bord là. Oh, mais oui. Des projections de couleur ici là, qui éclairent le long. Plutôt la file d'attente. Genre là, tu éclaires les gens. Tac. Là. Non. Là. Oh ouais. Ok. Torche en bambou. Bon, après, il faut pas mettre trop non plus pour faire juste le kéké. Non, mais bon, voilà quoi. Bonjour, Stavo. Bon, live. Merci à toi. Bon, j'avoue que là, c'est le truc qui me gêne. Ranger de lampes carrées. Sinon, ouais, mais il faut juste de la déco en fait. Juste, des fois, tu peux juste mettre de la déco qui sert à rien, mais. Nature, décor. Tous. Il y a quoi en décor tous? Ah, ouais. Ah, mais voilà! Mais voilà, il y a des décors là. Mais voilà! Collection de buissons. Ah. Hein, collection d'arbres. Ah, on va pas les mettre? Pourquoi? Ah, là, on peut les mettre. Un écran de projection. Pour l'instant, clairement, c'est un peu inutile. Déco pas. Ben voilà. Alors ça, on pourrait la mettre où? Bah en fait, là, ça pourrait le faire. Là, c'est quoi ici? Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Ça se met où ça? Ça se met là? Non. Bah ça se met là, devant le resto. Non, là. Attendez, comment, si je me mets vers le bas, comment? Qu'est-ce qui donne envie? Soit on la met genre là. Genre ici. Mais du... Ouais, si ça peut le faire. Attends, je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre. Oula. Mmh. Ouais, ça va là, non? Enfin, je sais pas. Il faut qu'on décore, c'est tout. Faut décorer. Une là. Il y a pas mal. Il y a pas mal de choses là. Feu d'artifice. Feu d'artifice. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Le dinosaure, les amis, ça va aller là. Non, c'est gros. Vitesse d'attraction. Attendez. Pour l'instant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est de la déco. C'est quoi? Attends, ça s'appelle comment? J'ai pas vu. C'est quoi le truc que j'ai cliqué? Bah bien, j'ai cliqué. Ah, c'est ça. Fontaine de jouvence, conte de fées, fontaine futuriste, fontaine contre. Cible. Ouais.
C'est juste... Ouais, c'est juste la décor, de toute façon. Arbre de Noël. Porte-cible. Ok. Étale de fleurs. Enfin, on est pas au jardin, là. Mais ça se met où, ça? Tu mets pas un étal de fleurs, là? Ouais, en vrai, quoique. Genre sur le bord, là, pour décorer. Allez, hop, ça va, là, ça. Mets des feux d'artifice. Ou attendez. Bilan de fin de mois. Ah! Afficher la partie du parc. Ouais, mais je regarde à chaque fois, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Coût de fonctionnement des caméras de sécurité, c'est bon. Qu'est-ce qui me rapporte de l'argent? Qu'est-ce qui rapporte le moins? Le looper 1. C'est quoi ça, le looper 1? Il y a personne qui y va. Mais c'est qui? C'est quoi ça? Genre, il y a personne là. Et qu'est-ce qu'il raconte? C'est plein. Ah ouais, parce qu'en fait. Ah ouais, parce que peut-être que les gens. Ça va... Enfin, c'est un attraction qui va pas vite. Donc les gens, ils peuvent pas. Temps d'attente. Bah, on va descendre, non? C'est quoi ça? Et le maximum aussi, on va le descendre. Genre, vous attendez pas beaucoup, en fait. C'est ça qu'il faut faire pour que les gens ils aillent plus vite. Regarde la file d'attente de tes montagnes russes. Bah ouais, mais qu'est-ce que j'y fasse, moi? Mais mon passe prioritaire, il fonctionne actuellement? Un voleur coupable d'un crime a été appréhendé, le maximum a été fait. Voir le voleur exclu. Quel connard, celui-là. Ouais, ouais, pars bien, ouais. Oh non, je me suis vraiment par la sécurité. Bah ouais, ouais, tu dégages, ouais. Mais ouais, carrément. Oh, on est où, là? Eh les gars, en vrai, vu comme ça, ça commence à prendre de la gueule. Franchement, je suis content. Là, il manquera plus ici à mettre des décorations, bâtiments, ventes, souvenirs, etc. Là, il manque de la déco. Il manque de la déco ou des bâtiments qui donnent des informations ou quelque chose. Ouais, c'est ça, des bâtiments qui donnent des informations. Faut trouver ça. Alors, tu peux pas augmenter la capacité de tes attractions? Bah non, c'est là, tu peux pas. Enfin, en vrai, lui, tu peux mettre plus de wagons, mais je crois que tout à l'heure, on pouvait pas. Genre, un nombre de wagonnets, tu vois, on peut pas. Ah non, je peux pas modifier tant que l'attraction est ouverte. Ouais, mais les gars, je vais pas la fermer. Hein. Vous savez quoi, on va laisser comme ça. On est en positif. Ah bah ouais, on est en positif là. On gagne de l'argent pour l'instant. On est content. On gagne de l'argent. C'est déjà bien. Ouais, du coup, alors, des choses qui donnent des informations. C'est où ça? Informations, des bâtiments ou des choses ou. Y a rien? On a rien qui donne. Ah, mais c'est là, information. Kiosque d'information. Kiosque d'information. Kiosque d'information de pirates. 300 euros. Ça va partir là. Ça, c'est pour informer les gens. Ça prend pas beaucoup de place. Et voilà. Et c'est vrai, ça rapporte pas non plus de thunes, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça dépasse sur le. Là. Là, ça dépasse pas. Attends, est-ce qu'on est bon là si je me mets comme ça? Là, ça va en vrai. Voilà, c'est placé. Ouais, c'est un peu près, mais c'est pas moche. Juste ce buisson là, il va dégager. Au pire, on va le mettre dans le fond, là. Hop, petit buisson ici. C'est fleuri, je trouve ça beau. Voilà. Ben voilà, en fait, on a mis ça. Bah du coup, il y a des trucs d'information, donc les gens, ils sont contents. Qu'est-ce qui va pas, là? Qu'est-ce qui va pas? Continue longtemps. Non, mais les gars, là on continue encore 5-10 minutes, après j'arrêterai. Je relayerai, je pense, on est quel jour? On est jeudi? On est vendredi, samedi, bah demain en vrai. Demain, il y a même moyen que demain je live dessus. Mais encore une fois, je compte sur vous pour mettre des commentaires. Vous mettez des commentaires sur qu'est-ce qui serait bien d'améliorer ou quoi, ou qui va pas, ou qui serait bien, voilà. Burk, j'ai marché dans du vomi. Bah ouais, bah t'as qu'à regarder où tu marches aussi. J'ai envie de m'amuser, pas de faire des emplettes. Bah ouais, mais oh. Mais j'ai marché dans du vomi, 25%. Attends, c'est les pensées prédominantes. Entrée pas chère. Attends, ça c'est ce que les gens, ils trouvent que le parc est sale en fait. Burk, file d'attente, j'ai ces détritus sont ah ouais, c'est sale en fait dans le parc. Le parc est sale. Et mes employés sont contents ou pas? Vide une poubelle, charge de travail élevée. Ah, il faut peut-être plus de gens qui nettoient, vraiment. Mais carrément en fait. Ah ouais, tous les gens qui nettoient, ils sont... Ok, il faut des gens qui nettoient, il manque que des gens qui nettoient, c'est juste ça en fait. Bon, comment on change? Alors, on va mettre des gens qui nettoient. Attends, c'est quoi ça? Technicien de surface. Il y en a deux. Ah ouais, ils sont... Ouais. Il faut mettre des gens qui nettoient. Alors, toi, tu vas nettoyer. On va mettre en même trois. Allez, trois ou quatre même, puisque le parc, il faut absolument qu'il soit le plus propre possible. Allez, encore un troisième. Bon, du coup, il faut les payer. Donc là, on va commencer à part de l'argent, non? Ah non, ça va. Ah! Ouf, limite. On est vraiment à la limite d'être... On gagne, on perd. Bon. Ok, donc là ça devrait être mieux, je pense. Bon, les gens sont pas contents. Maintenant, satisfaction.
Plusieurs boutiques sont prises d'assaut. Lesquelles? Dis-moi. S'il en manque, c'est que tant mieux, il va falloir en placer d'autres. Donc eux, il y a trop de gens qui achètent. Donc il n'y a plus assez de... Voilà, il y a trop de gens en fait, donc il faut qu'on mette des boutiques de... Bah voilà, ici, bah voilà. Ici, tu vas acheter tes souvenirs et tu vas acheter de la bouffe, de la bonne bouffe. Donc la nourriture, qu'est-ce qu'on met? Bah, il y a le resto. Pourquoi les gens, ils vont pas au resto? Bon. Peut-être les gens, ils veulent manger des choses plus petites, je sais pas. Donc alors, du coup, en nourriture ou boisson? En nourriture, déjà en nourriture, qu'est-ce qu'on peut mettre? Stand de nourriture festif. Bah oui, on fait la fête. Oula. Ouais, oula, mais qu'est-ce que ce truc? On n'est pas... Oh. Ça va, ça. Ah, mais c'est tout petit, il faut peut-être un truc plus gros, non? Faut un truc qui puisse accueillir pas mal le public, en fait. Après, on n'a pas de... Faut un truc large. Boutique de village... C'est pas pour acheter... Si, c'est pour acheter de la bouffe, ça. Hein? Ah, voilà, ça, c'est grand, ça. Les gens, ils vont kiffer qu'il y ait un truc grand. Là, ils vont pouvoir venir à chercher à bouffer et tout, hein. Ouais, là, ça va être sympa, ça. Bon ben let's go, hop, voilà. Donc là du coup on est mis un bâtiment pour que les gens puissent manger. Je vais essayer un plan, mais voilà. Attends, c'est pas droit. C'est pas droit. Attendez, on va essayer de mettre un peu droit. Là. Là, comme ça. Donc là, ok, c'est bon. Ben là du coup les gens vont pouvoir commencer à chercher à bouffer. Ensuite, je rappelle, là faut au moins qu'on fasse ce qu'il faut pour que les gens ils aient à manger, ils aient tout ce qu'il faut, parce que ok on fait des attractions. Mais donc là tout est à peu près vert, c'est bon. Voilà. Bon ben les gars, c'était tout, mais on va s'arrêter là, je pense. J'espère que ça vous aura plu, ce live. En gros, on aura fait 1h15, 1h16 de live. Mais des poubelles. Bah là, c'est bon, il y a des poubelles. Enfin, attends, on peut voir si les poubelles sont pleines ou vides, en vrai. On peut voir, genre celle-là, par exemple. Ah, il y a des choses dedans, mais elle est pas pleine, donc ça va. Elle est pas pleine. Ah, ça, c'est la meuf que j'ai payée pour qu'elle fasse de l'animation. Oh, mais qu'est-ce que tu as, elle est folle, quoi. Ok, il y a du monde, il y a du monde partout. Les gens s'amusent, les gens courent. Ah, c'est bien, hein. Qu'est-ce qu'elle fout là cette poubelle? Merde, il y a une poubelle en plein milieu. On va la mettre. Attendez. Où c'est qu'on va mettre une poubelle? Là il y en a une. Là il y en a une. Là il y a une poubelle là. Il y a une poubelle ici. Là peut-être. Ou à la sortie. Non attendez. Ils sortent par où les gens? Là. Bah une poubelle là peut-être. Les gens ils mangent donc. Hop, poubelle ici. Voilà. Est-ce que, on va voir s'il y a du monde dans ce resto, parce que j'ai mis un resto. J'aimerais bien savoir si les gens ils viennent bouffer. Boutique et service. Oula. Restaurant. Table occupée. 6 sur 18. C'est pas fou, hein. Ventre raté. 1. Note de l'environnement. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, y a pas d'environnement. Allez, c'est parti. Ça environne. Vitesse d'attraction. Attends, raccord des thèmes. Mets à niveau des employés. Attendez, là on décore. Mais comment ça, mes employés, ils vont. Aidez-moi. On a 800 personnes. Y a plus de personnes qui regardent le live que de personnes dans. Que des personnes dans le parc. Bah ouais, décoration, je veux bien décoration. Mais le problème, c'est qu'il y a des vitres. Alors, si on met... Enfin, il y a des vitres. Au pire, déjà, on va mettre des arbres derrière pour au moins, voilà, que la zone soit pas vide, pas qu'il n'y ait rien derrière. Donc, c'est dans environnement. Il n'y a pas des gros environnements, des scènes. Oh. Oula. C'est quoi, ça? Oh, bah voilà, un truc devant, là. Un petit truc devant qui sert à décorer. C'est gros ça ou pas? Ben voilà! Ouais, enfin, c'est quoi l'ambiance? On dirait bizarre. C'est bizarre. Cabane de sorcière. Ouais, mais c'est plus pour les gosses ça. Faut un truc qui soit pour tout public, tu vois. Genre que les adultes ils font pas. C'est quoi ce truc? Ah ben voilà, on l'avait pas mis ça tout à l'heure. On peut le mettre. Attendez, alors les gars, ça on met où cette sorte de fontaine? Est-ce qu'on la met devant le resto ou on la met plutôt là? Donc un pour le resto et deux pour devant cette attraction. Parce que devant le resto, on peut la mettre devant. Ou peut-être genre là. Dites-moi. Raid. Non, on ira. Non, pas de raid ce soir. Pas de raid maintenant. 1, 2, 2, 2. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1. Il y a beaucoup de 1 quand même. Hein. Ok, voilà. 1. Il y a beaucoup de 1. Ok, ok. Alors, on va la mettre là. Alors, on va la mettre là. Non. 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 Elle était où, environnement? Bah, 2, on mettra autre chose. Alors, là, on va mettre pour l'instant le buisson qui fait ça. Tac. Donc, ça, comment on met? Tac, tac. Ouais, comme ça. On le met pas au milieu, si. On va le mettre... allez, là, on le met là. Et du coup, il faut qu'on trouve une déco, par contre, à mettre à côté l'attraction qui est assez grosse. Spectacle de bouffon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah non, le but, c'est pas de gâcher la vue, quoi. Non, là, ça va être moche. Il faut un truc qui gâche pas la vue, mais qui décore, tu vois. Donc, un truc qui décore sympa. Tac, tac, tac.
Statue. Non, nature. Bah, nature. Là. Ah, bah là, si tu te bouffes l'arbre en faisant l'attraction, t'as l'air con. Hop. Déjà, je mets un arbre là. Bah, sinon, ouais, des buissons. Hein. Les buissons, en vrai, on dirait pas, mais ça fait l'affaire, quoi. Les petits buissons, là. Tac. Ça coûte combien, ça? Ça coûte 6 euros. Ça va, c'est pas cher. Un autre petit buisson, là. Bah, franchement, ça fait l'affaire. Hein. Ça ferme un peu la zone, c'est nickel. Ah ouais, ça fait des effets d'eau et tout. Eh, je trouve ça beau. Ah, je suis content, là. On a fait un bon truc. Alors, des arbres, en vrai, je sais pas si ça vaut le coup de mettre des arbres. Alors, ça fait... Non, c'est bizarre, là. Y a quoi? Attends. Scène, feu d'artifice, audio. Non, pas audio. Cible. Non plus. Alors, attends. Des buissons. Des petits buissons, environnement. Nature. Mais il y a que ça? Attends, mais il y avait pas que ça tout à l'heure. Il y a pas que ça, un arbre, quand même. Attends, mais c'est où qu'on trouve les arbres, là? Mais attendez, les gars, ils sont passés où, mes arbres? Il y avait plein d'arbres, les gars. Outils, montagne, attraction, boutique et service. C'est pas dans boutique qu'il y a des arbres. Ah, décoration, peut-être. Mais c'est pas la décoration. Buisson, souvenir, gestion. Va dans personnaliser. Ah oui, pardon. Environnement, personnalisé. Voilà, c'était là. Ok, merci. Animatronique, on s'en fout. C'est quoi ça? Ouais, il faut qu'on mette des décos devant le resto. C'est vrai qu'il faut bien qu'on. Enfin, il faut pas que juste mettre des bâtiments et hop, rentrer et payer quoi. Il faut qu'on fasse des trucs qui soient agréables et en vrai, voilà. T'es dans le plan là. Oui, c'est bon. Calme-toi, Wiza. Ah, Wiza. Trinka. Ah, c'est pas la même couleur. Ah, bah voilà. C'est la même couleur ceux-là. Bah voilà, un plus petit peut-être. Voilà, un plus petit là. On va en mettre ici sur le côté. Tac, 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 tac. Attendez. Et là, tac. Est-ce qu'on mettra des petites informations, non? Des lumières, déjà des lumières. Des lumières. Les lumières, c'est où? Pierre, sculpture végétale, jardinière. Ouais, on n'est pas là pour... non. Pas de jardinière. Des bancs. Oui, pourquoi pas? Non, alors, pour l'instant, on s'occupe de là. Donc là, la déco, faut des lumières maintenant. Des petites lumières, décor. Hop, les lumières, c'est où? En scène publicité. Oh. Oh. Cosmi. Attends, en gros, on a des trucs pour attirer les gens. Genre, tu mets un panneau pour dire on a ça dans notre parc. Ah ouais. Genre, toilette, quoi. Genre, on a des chiottes. Attendez, et où nos toilettes, là, actuellement? On a que ça comme toilette? Attendez, mais ça va être plein, non? Attends, les billets, c'est là. Les toilettes, c'est où? C'est là, les toilettes. Voilà, tu mets ça. C'est trop stylé. Tac. Voilà, toilette. Ah ouais. Ça c'est quoi? Hamburger simple. Autant, tu peux créer ton hamburger? Ah non. Enseigne cheat. Ah ouais, mais t'as tout. C'est trop bien, ce jeu. Panneau de signalisation. Statut générique pizza. Oh, c'est trop stylé. Attendez, on va mettre ça pour décorer, pour dire attention, il y a à bouffer. Genre là, devant, là, ici, là. Non, pas ça, peut-être. Ça, là. Genre pour dire, non, peut-être pas ça. Un donut. Ah, c'est nul, là. Attendez. Ah, je sais pas où le mettre. On le met où, ça? Pour décorer. Tournage. Ah, ok, on arrive. Mais il y a même pas GFIT, qu'est-ce que je vous racontais? Il y a même pas sur Discord. On va le mettre là. Voilà. Bon, allez, les gars, c'est pas tout. On va s'arrêter là parce que plusieurs employés n'ont pas assez de travail. Comment ça? Basse. Genre, lui, il a pas assez de travail. Il est en pause. Et il fait quoi? C'est un vendeur? C'est un vendeur, lui. C'est un vendeur. Il a pas assez. Donc, il faudra qu'on mette, les gars, dans les. Il faudra se rappeler de mettre des bâtiments pour les vendeurs. Genre des trucs pour. Des vendeurs de quoi? De boissons? De souvenirs. Des trucs de souvenirs. Ok. Et ça, c'est quoi ça? C'est un bâtiment de. Pour manger. Ok. Donc, on a pas de bâtiment de souvenirs pour l'instant. Ou alors, on en a, mais pas beaucoup. Enfin, comment des petits bâtiments de souvenirs qui s'incrustent. Ouais, c'est gros ça. Oh. J'ai trouvé. Ah, mais non, c'est parce qu'on voit pas l'attraction. Ouais, mais en vrai. C'est un truc de souvenir. Est-ce que c'est pas un peu gros, peut-être? C'est un peu gros, mais. Est-ce que là, ça va? Un bâtiment de souvenir là. Ah, je sais pas. Bon, au pire, on verra ça. On verra ça, les gars. Passe prioritaire, information. Ah, bon, attends, on fera ça plus tard, les gars. Il y a beaucoup de choses à faire. Bon, je relèverai peut-être demain, les amis. Mais en vrai, je suis content de ce qu'on a fait. On a quand même fait pas mal de choses. On a mis pas mal de boutiques ici. On a fait deux nouvelles attractions. Autotamponneuse ici, mais il y a personne d'ailleurs.
Y a pas grand monde d'ailleurs. Faudra qu'on... Ouais, parce qu'il faudra qu'on décore la zone. C'est pas assez décoré, on est nécessaire de décorer ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu les gars. Oh, c'était cool, hein, ouais, j'ai bien kiffé. Voilà, merci à vous, c'était plus de 1500, 1300 dans le live. Même, ouais, environ 1200, 1300 sur le live. Donc voilà, merci à vous, c'était trop bien. Je crois qu'il marche à marche arrière les gens, j'ai pas compris. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi je m'en vais tourner les éleveurs français pour demain matin. Donc demain matin, nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, les éleveurs français sur la map, voilà. L'Ivalent de 1, voilà. Du coup, soyez là demain à 11h. Et bien sûr, là, après ce tournage là, on va tourner après les 3 fermes à 20h30 pour dimanche. Donc voilà, les gars. Bon, allez, merci d'avoir suivi ce stream, les amis. C'était Starvio, parce que c'était vraiment cool et j'aime trop ce jeu. En vrai, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop ce jeu, les gars. Donc je serai de live peut-être demain. Je sais pas. Demain soir, si je suis chaud, peut-être pourquoi pas. On essaiera de voir ça. Donc voilà. Allez, bonne soirée à tous. C'était Starvio. Enfin, bonne fin d'après-midi. À la prochaine. Et allez, ciao tout le monde. Salut, les gars.